Vas-y. Bon. Ah, si, ça marche. Bonjour. Donc, au nom de la médiathèque La Grand Plage, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde sur les pays et voyages imaginaires. Donc, je pense que ça va être riche et intéressant. Donc, je laisse notre modérateur présenter les invités et je passe la parole. Bonjour, donc moi je m'appelle Sylvain, je suis enseignant, donc je ne suis pas auteur ni chercheur, rien du tout, donc je vais modérer la table ronde. Accessoirement, je suis aussi membre de l'association elbaking.net qui fait la promotion de l'œuvre de la fantaisie française et internationale, donc sur internet et dans des salons, des conventions, etc. Donc aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir 4 auteurs et un chercheur, qui est aussi auteur. Donc on va commencer par Anne Lesson, donc, qui est la chercheuse, donc qui est agrégée de lettres modernes, docteur en littérature comparée. Donc, si vous vous intéressez un petit peu aux univers de l'imaginaire, vous avez déjà sûrement entendu parler d'elle. Actuellement, maître de conférence en littérature générale et comparée à l'université d'Artois, à Arras. Et donc, on lui doit de nombreux ouvrages, dont certains sont sur la table là-bas, que vous pourrez voir après. Notamment d'Asimov à Tolkien, cycle et série dans les littératures de genre, donc, qui a été publié en 2004 aux éditions du CNRS. La direction du dictionnaire de la fantaisie aux éditions Vendémiaire, qui a été publiée en 2018. Aussi membre du jury. Avec participation d'Elbakim. Participation de nous. Voilà. Aussi membre du jury du prix des Imaginales depuis 2009. Si je ne me trompe pas. Bah, j'ai arrêté il y a 2-3 ans, mais... Ah, bah c'est ce qui est marqué sur le CV. Et responsable pédagogique du MOOC Fantasy de l'Angleterre victorienne au Trône de Fer, donc, que certains d'entre vous ont peut-être suivi, qui a été en ligne l'année dernière, je crois, pour la deuxième ou troisième édition. Voilà. Donc on va continuer avec Émilie Ancio, qui est ici. Voilà. Donc, qui est autrice, éditrice à Livre Édition, et tu travailles aussi dans le domaine scientifique, je crois. Oui, tout à fait. Donc, tu es autrice depuis 2015 2013. Oui, ah oui, en plus, je l'ai noté en dessous. Donc, avec un premier roman qui est Éclipsis, la destinée des mondes, en 2013. Après, on peut citer par exemple Le Puits des âmes, en 2017, ou dans un autre registre, Doudou, le petit dragon qui voulait lire, en 2016. Donc, voilà. Il est là-bas, sur la table aussi, vous pourrez le voir après. Il a une chouette couverture. Ensuite, j'ai qui à gauche? Renaud Crépel, donc professeur d'anglais et auteur. Voilà, il y a beaucoup de professeurs, vous le verrez surtout sur la partie gauche. Qui est auteur du Cerbère enchaîné aux éditions Sarah Arcane, donc paru en 2016. Et ça, La Fontaine de Tirnanog en 2017, et Émilie Zénith contre l'Éclipseur en 2019. Ouais, bien joué. Ensuite, Bertrand Crappé, qui était venu il y a 2 ans, pour ceux qui étaient là. Donc, il est professeur de français et auteur. Et c'est tout? Non? Viking Je suis musicien, je suis chroniqueur de série. Voilà. Donc, tu as écrit les Chroniques des prophéties oubliées chez Inédit, donc, qui est composé de L'héritier du roi Arthur, qui est sorti en 2016, L'héritier de l'Atlantide en 2017 et L'héritier d'Asgard en 2018. Voilà. Et là, dans un autre registre aussi, on peut citer par exemple 1-2-3 zombies, qui est sorti chez Livre. Livresse. C'est Livresse? Oh là là. Il n'y a pas de... Voilà, Livresse édition. Et pour finir, j'ai Emmanuel, qui est là, le monsieur tout timide, c'est lui. Donc, qui est Emmanuel Chasselier, donc qui est auteur, traducteur et fondateur du site elbaking.net. Donc, qui a été ouvert pour le Seigneur Zano Online, c'est ça? Il y a 19 ans. Voilà, il y en a certains trous qui n'étaient peut-être même pas nés. Donc il est auteur notamment de Célestopol, qui a été réédité en 2019 chez Libretto, de L'Empire du Léopard chez Critique en 2018, et Poussière Fantôme chez Scrineo aussi en 2018. Et plus récemment, dans l'actualité de traduction, c'est lui qui s'occupe en partie de la traduction de la réédition du livre malaisien, qui s'appelle maintenant Le Livre des Martyrs, de Steven Erikson. Grosse fresque fantasy que vous retrouvez aussi à l'étage, parce que vous avez la chance dans la médiathèque de Roubaix d'avoir un rayon imaginaire qui est quand même très très bien fourni. Grâce à Dorothée. Donc voilà. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est voyage et pays imaginaires. Donc on va essayer de vous présenter ça de manière à la fois générale pour les gens qui découvrent et en abordant des aspects un petit peu plus spécifiques. Donc la première question que j'ai envie de poser à nos invités, c'est de leur point de vue, donc que ce soit aussi bien du chercheur que de l'auteur, la place que prend le voyage dans les littératures de l'imaginaire en général. Donc est-ce que quelqu'un veut se lancer? Non. Ah, non.
parce que c'est général. Les littératures de l'imaginaire, donc c'est essentiellement aujourd'hui, on va parler beaucoup de fantasy, parce qu'on est plutôt regroupé par ça ici, même si c'est aussi la science-fiction et le fantastique. Et la particularité, c'est que ça présente d'autres mondes. Que ce soit le monde où se déroule toute l'intrigue comme chez Tolkien, ou alors on va passer dans l'autre monde, comme chez dans les chroniques de Narnia ou dans Harry Potter. Donc il s'agit toujours de nous faire découvrir un autre monde. Et donc, forcément, le voyage prend une place essentielle là-dedans, dans la mesure où on doit avoir accès à ce nouveau monde, on doit nous le faire découvrir. Et les auteurs, que ce soit des auteurs de romans ou des réalisateurs de films ou de séries, une des très très bonnes solutions qu'ils ont pour nous faire découvrir un autre monde, c'est de nous emmener voyager dans ce monde et donc de nous montrer des personnages qui voyagent dans ce monde. Je suppose que les auteurs qui sont là font ça assez régulièrement. C'est une bonne technique de découverte d'un monde. Bertrand, tu me regardes. Le voyage, c'est consubstantiel, comme dirait Émilie, à l'écriture du voyage imaginaire, parce que si on ne se déplace pas, on n'est pas confronté à l'inconnu, le personnage donc ne pourra pas, doit quitter son confort, doit quitter son cadre connu, et l'imaginaire, c'est l'inconnu, forcément, il faut l'héroïsme, l'honneur, la découverte de soi, passe par la découverte d'un nouveau monde, donc on voyage. Après, il y a une foule de variantes, une foule d'œuvres qui proposent différents types de voyages, mais c'est évident, une fantaisie et un voyage vont de pair. Du coup, là, on va plus s'adresser aux auteurs. Vous, dans vos textes, donc là, je pense à vous quatre, pourquoi vous faites voyager vos héros ? La finalité de ça, c'est est-ce qu'ils vont quelque part ? Ou alors, justement, ça permet d'introduire l'univers ? Il peut y avoir différentes raisons. Soit une quête qui est lancée et le héros ne peut pas refuser, parce que pour une question d'honneur, parce qu'il y a une injonction du roi, je ne sais pas, on lui lance une quête, ou il doit accomplir une vengeance, il a besoin, c'est une nécessité, c'est pas... La quête, c'est différent du voyage. Le voyage peut être un choix. La quête est quelque chose d'imposé. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Emmanuel, peut-être ? Oui, effectivement. Bah, c'est vrai que le voyage, c'est quelque chose de très important aussi, dans le sens où ça marque l'évolution souvent des personnages au fil des obstacles qui vont se dresser devant eux pendant le voyage en question. Dans le cas de mes romans, on va dire que oui, je rejoins mon camarade. C'est vrai que c'est assez. On peut avoir des variétés de différentes raisons, dans le sens où le voyage peut très bien être plus long qu'une quête, mais ça peut être aussi, on le disait, une obligation. Par exemple, je pense à des. Par exemple, si on suit des soldats en mission, une armée, si on est, on va dire, au niveau des soldats de base, on ne va pas trop leur demander leur avis sur leur destination. Et puis. Le voyage aussi peut être une fuite, alors, ça peut être pour fuir un ennemi, etc. Mais il peut y avoir différentes composantes que je pense que les auteurs s'amusent à utiliser selon le récit. Et c'est aussi ça qui fait un peu la richesse du voyage en lui-même, au-delà de simplement passer d'un point A à un point B. Oui. Et en fait, le voyage, même au-delà des univers imaginaires et de la fantasy en particulier, je pense que le voyage est présent dans quasiment tous les livres, quels que soient les genres. Enfin, en tout cas, moi, pour un peu préparer cette table ronde, je me suis posé la question sur mes propres romans. Moi, je suis assez éclectique au niveau de mes écrits. J'écris pour la jeunesse, pour les tout-petits jusqu'à 5 ans. J'écris pour les ados, je fais dans l'horreur, dans le fantastique... dans des petites nouvelles aussi, et en fait je me suis rendu compte que même au-delà de ma trilogie fantasy, j'ai mis du voyage partout. Donc, par exemple, dans mon petit roman d'horreur qui s'appelle La Mélodie, on voyage à travers différentes époques par l'intermédiaire d'un objet qui est une boîte à musique. Dans mon récit de fantasy, bon, il y a plusieurs mondes connectés par des portes, donc là c'est un voyage constant pendant 3 tomes. Et en fait voilà, je pense que c'est vraiment pour permettre au lecteur de s'évader, et aussi je pense que c'est un besoin que les auteurs et les autrices ont d'un peu sortir un peu de leur quotidien et d'aller dans l'imaginaire. Je pense que c'est la principale raison. Après, oui, évidemment, ça amène des obstacles, ça permet de faire évoluer nos personnages et ça permet d'enrichir notre histoire plutôt que de simplement rester au même endroit. Mais du coup, voilà, c'est principalement pour s'évader.
Hello. Et donc moi je pense aussi qu'on a parlé du voyage quête, on a parlé du voyage mission, de la fuite, etc. Mais il y a aussi, et ça se retrouve dans plusieurs romans, un voyage retour en fait. C'est-à-dire que le personnage va se retrouver catapulté dans un monde imaginaire, un monde fantastique. Je pense au Magicien d'Oz, je pense à l'Histoire sans fin, tout ça. Où là, le voyage, le but en fait du voyage, ça va être de rentrer chez soi. Souvent avec la question que moi je me pose en tant que lecteur, que je me pose en tant que lecteur, c'est pourquoi vouloir rentrer, enfin le monde imaginaire il est tellement bien, pourquoi vouloir quitter le pays d'Oz ou quitter le monde de l'Histoire sans fin qui s'appelle... Je sors ces pays imaginaires. D'accord. Bah voilà. C'est pas si efficace. Donc, est-ce que pour vous, nonobstant le côté découvert du monde, etc., est-ce qu'on peut trouver un côté symbolique ? On parle beaucoup, par exemple, de la quête initiatique du jeune héros, etc. Est-ce que le voyage peut être une manière de montrer au lecteur, est-ce qu'il peut y avoir différents niveaux de lecture, en fait, dans le voyage, par exemple ? Ah oui, la quête, c'est aussi toujours une quête de soi. C'est un petit peu ce que vous commenciez à dire, un des grands textes à propos du voyage imaginaire, c'est Joseph Campbell, le héros au mille et un visages, qui est sous-titré Le voyage du héros. Le voyage du héros. Joseph Campbell, c'est un critique, un analyste des mythes. Il avait... réunit une énorme quantité de mythes et il en a sorti une histoire qu'il appelle le monomythe qui se retrouverait partout dans toutes les mythologies, dans tous les grands récits aussi bien en Inde que dans les légendes celtiques, etc. Et donc c'est le fameux voyage du héros par lequel le héros advient à lui-même, donc effectivement il faut d'abord qu'il commence par quitter son chez-soi. Il est plus ou moins fichu dehors, hein, parce qu'au départ, il n'a pas tellement envie de partir de chez lui, et il y est contraint. Il renâcle un peu, il va connaître un certain nombre d'épreuves, il va passer dans un autre monde, il va s'approcher de la source fondamentale, il va s'affronter à son père, il va s'affronter au désir, à la femme, etc. Donc, il y a des étapes très précises du voyage du héros. Et cette histoire-là, que Joseph Campbell avait repérée dans les mythologies, a été reprise par Hollywood. Un certain Christopher Vogler en a fait la base du guide du scénariste. Et depuis, c'est effectivement une histoire que racontent énormément de films hollywoodiens qui se basent sur cet archétype mythique, sur ce monomythe. L'exemple le plus fameux, qui est évidemment pris par... qui est bien connu parce que Joseph Campbell lui-même en a parlé avec George Lucas, c'est La Guerre des Étoiles. Histoire de Skywalker, c'est vraiment cette histoire du voyage du héros. Et donc il y a vraiment ces étapes symboliques très fortes de j'entre dans la caverne avec un sous-texte symbolique, voire psychanalytique, très important. Le héros se confronte à ce qui sont des problématiques humaines, oedipiennes, dans cette symbolisation qui en est donnée à travers les étapes de son voyage initiatique. Mais est-ce que c'est pas aussi une vision un petit peu, je vais pas dire archaïque, mais de la littérature d'avant ? Parce qu'aujourd'hui, on a, dans tous les médias de manière générale, une volonté de se démarquer de ce qui s'est fait avant, etc. Et est-ce que les nouveaux auteurs de fantasy aujourd'hui suivent toujours ce schéma ? Et là, je m'adresse plus particulièrement aux auteurs. Pour ma part, j'ai grandi avec toutes ces littératures et ces films, etc. Et ça devient tellement plaisant d'utiliser, de se réapproprier les codes et les clichés du genre que, oui, forcément, je reconnais les étapes du monomythe, du voyage du héros dans ce que j'ai pu écrire, mais en essayant d'y apporter une petite touche personnelle, mais voilà, enfin, c'est tellement... Enfin, je sais pas ce que les autres en pensent, mais c'est tellement plaisant d'écrire des clichés que... Enfin, de revisiter non, soi-même. Il y a une base mythique, elle est super importante, elle est fondamentale. C'est pas parce qu'elle a été déjà travaillée 1000 fois qu'elle est plus féconde, à la limite au contraire. Et d'ailleurs, les réécritures du mythe arthurien le montrent bien. C'est-à-dire que c'est à la limite, plus on revient dessus constamment, et plus des pistes s'ouvrent nouvelles à l'intérieur d'une structure commune.
le mythe arthurien, je pense que c'est pour toi. D'ajouter, tout à fait. Mais c'est-à-dire que les mythes et les légendes, la fantaisie, ce ne sont que des lieux communs que l'on réécrit en permanence, que l'on enrichit. L'arthurien, par exemple, ça fait 1000 ans qu'on se transmet un héritage magnifique. On doit absolument en prendre soin, mais on doit le rendre un peu transformé. On doit y avoir, une nouvelle direction. Donc, soit une dimension plus épique, plus comique, plus. On est droit. Le XXe siècle était très riche pour l'écriture arthurienne. Voilà, et on ne nous dit pas, c'est daté. Non, rien ne se crée, rien ne se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est Lavoisier. On ne réinvente peut-être pas l'eau chaude, mais justement, elle fait une autre vapeur. C'est ça notre travail. Une nouvelle couleur. Arthur, tout le monde le connaît. Pourtant, on est encore surpris quand on voit Astier. On est encore surpris quand on voit le dernier Arthur Fantasy qu'on a vu il y a un an au cinéma. Voilà, l'objectif, c'est de surprendre. Alors que les gens s'attendent, ils savent ce qu'ils vont avoir. Et pourtant, on réussit à les surprendre. On réécrit en utilisant, comme bien entendu, la même notion de quête, le voyage. Le voyage, forcément, est lié à la sagesse. On forme la jeunesse, mais aussi la sagesse, bien entendu. Et pourtant, on le sait. On est quand même surpris de le voir. Quand Bilbo va faire des pieds et des mains pour ne pas quitter sa maison parce qu'il ne veut pas retarder son dîner, il y va néanmoins, et on sait qu'il va s'enrichir. Il reviendra différent, mais il reviendra. Du coup, du retour, effectivement, c'est cyclique, il faut revenir. Voilà, on a un trilogie arthurienne, on a 1000 pages, on commence devant les portes du château du roi Arthur, on finit devant les portes du château du roi Arthur. Et entre deux, il s'est passé une foule de choses, les personnages ne sont plus les mêmes. Voilà, c'est un cycle. Oui, je voudrais juste dire, enfin, moi dans mon cas, c'est vrai que j'ai avant d'écrire, j'ai beaucoup lu et chroniqué de romans, donc essentiellement fantasy. Et c'est vrai que j'en ai tellement lu qu'au bout d'un moment, les schémas, on va dire, classiques, surtout dans le registre de la fantasy épique, moi j'avoue que je pouvais plus voir ça. Donc c'est vrai qu'il y a aussi parfois une volonté de se démarquer. Voilà, de ses prédécesseurs. Après, évidemment, avec la réserve qu'il ne faut pas non plus que vouloir prendre à tout prix le contre-pied de ce qui a déjà été fait, par principe de vouloir prendre le contre-pied, parce qu'évidemment, sinon, on risque de finir dans une ornière ou un cul-de-sac. Mais c'est vrai que c'est un peu comme quand on... Le côté... on parlait tout à l'heure du pouvoir un peu aussi de... Ce que ça peut apporter de s'évader, le voyage, tout ça... Et c'est vrai que je suis d'accord aussi, lire, c'est aussi une façon de s'évader son quotidien. Moi, c'est vrai que de plus en plus, j'aime bien dire que, après, chacun sera d'accord ou pas, mais j'aime bien dire aussi que c'est pas parce que c'est de la littérature, on va dire, d'imaginaire, fantasy ou SF, fantastique, que ça peut pas nous donner des outils, on va dire, pour le quotidien, et pour se confronter soi-même, justement, à... aux thématiques d'aujourd'hui. Donc voilà, ce fantasy est parfois un peu déconnecté, je trouve. Encore aujourd'hui, malheureusement, certains ont une vision assez... Moi, quand ça m'arrive de rencontrer des gens qui ne me connaissent pas, ça m'arrive. Et, voilà, que je dis que j'écris des choses qui sont en registre de la fantasy, parfois, oui, j'ai encore droit à des petits sourires en coin. Chez certaines personnes, ça se limite encore à, je sais pas, un dragon. Et un bonhomme avec une armure qui tape avec son épée. Donc, ce qui est bien aussi, hein, j'ai rien contre les dragons et les bonhommes en armure. Mais voilà, je pense que la fantasy peut aussi apporter autre chose. Et donc, le voyage, à travers les épreuves qu'il offre à ses personnages. Je crois justement que c'est un des intérêts justement de la fantasy, c'est de mettre à chaque fois un sous-texte avec des idées sous-jacentes, avec une vision de l'actualité, mais qui est transformée pour faire passer un message, pas de but en blanc comme ça plaqué, mais justement de manière peut-être plus détournée, et du coup pour que ça passe mieux. Ah, si je peux je reprends, excusez Madame Besson sur Star Wars, l'exemple de Luke Skywalker quand il est sur Dagobah. Il rencontre Yoda, et puis il lui dit, je te soumets une épreuve très difficile, tu vas devoir rentrer dans une caverne, une grotte, il n'a pas besoin d'armes. Et il a besoin de passer par cette grotte, un seul cinatoire, où il croit voir, il croit se combattre lui-même. Il a besoin de ce passage par cette grotte totalement terrifiante, pour comprendre davantage qui il est, quelle est sa mission, il gagne un level, tout simplement, comme dans un jeu, ni plus ni moins. Et c'est un passage obligé, et pourtant c'est un voyage qui ne se fait que sur quelques mètres.
Et on est loin du cliché, pourtant on est quand même dans la grotte, on est quand même dans la confrontation avec soi-même. C'est des moments importants. Et c'est une œuvre grand public, hein. Star Wars n'a jamais fait prétention d'être du cinéma à essai. Et c'est pour ça aussi que c'est important la fantaisie, parce que c'est grand public. Ça va proposer des vérités fortes à ceux qui sont capables de les voir. Mais justement, est-ce que la fantaisie, encore aujourd'hui, ne souffre pas de cette vision de littérature avec des longueurs? Je pense, par exemple, on sait, d'ailleurs de manière certaine, mais quand les gens se mettent à lire, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, le passage qui les rebute le plus facilement, c'est le passage de la vieille forêt, qui est tout un voyage des hobbits dans la vieille forêt, et il y a beaucoup de gens qui arrêtent là. C'est un fait. Et est-ce que justement, c'est pas, ça cristallise pas un petit peu ce qu'on peut reprocher à la fantasy de manière générale, c'est-à-dire un voyage qui est utile dans la quête, dans l'intrigue en elle-même, mais qui, à force de vouloir, cracher de la page, on n'utilise pas justement le voyage pour remplir des blancs. Je sais pas si t'inquiète, c'était Alexandre Dumas, il n'était pas payé à la ligne non plus. Ensuite, ouais, on peut faire reproche à Jules Verne aussi. Moi, j'ai sauté des passages. J'adorais J20 quand j'étais gamin. Une fois, je comprenais rien. Ça me fait le fonctionnement d'un moteur. Peu importe, je lis toujours de l'SF aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une tendance à une littérature d'imaginaire beaucoup plus page-turner. On avance. C'est très bien. Alors, j'en écris. J'aime bien, a priori. J'aime faire avancer. Mais en fait, ça dépend du lecteur. S'il est jeune, s'il est âgé, s'il a de l'expérience dans la lecture ou pas. Il faut pouvoir offrir aux différents lecteurs différents types de récits. Oui, ceux qui aiment les longues descriptions, moi j'aime énormément Tolkien, j'aime me perdre dans ces descriptions, et je peux comprendre que ce n'est pas le plaisir de tout le monde, bien entendu. Donc il y a une offre vaste dans la littérature d'imaginaire, il faut donc que chaque lecteur trouve auteur à son pied. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions dans ta question, Sylvain, parce que le le voyage chez Tolkien, il est lent. C'est un fait. Et du coup, des gens qui ont revu le film, qui est beaucoup plus rythmé, peuvent être décontenancés par la lecture du roman qui, il est vrai, est beaucoup plus solennelle et contemplative. Le voyage est lent aussi parce que les hobbits, ils sont petits, ils marchent à pied. Voilà, ça leur prend un temps fou d'aller n'importe où. Hein. Ils ont des grands pieds. Mais comme ils sont petits, bon, ils ont des petites jambes. Par contre, il y a le côté, l'effet de quête qui se traîne. Ça, c'est un fait, mais qu'on reprochera plus à des auteurs post-tolkieniens, comme ceux qu'on aime beaucoup par ailleurs, qui sont, je sais pas, Robert Jordan, dont le cycle qui était prévu pour être beaucoup plus court n'en finissait pas de finir et finalement il est mort avant de l'avoir terminé. Il a dû, les brouillons de la suite ont dû être transmis pour que enfin le cycle soit terminé. Ou l'épée de vérité dont on parlait à midi, qui est un autre exemple de ça, c'est des auteurs qui rencontrent le succès avec les premiers volumes d'une saga épique. Et puis qui, à la fois parce qu'ils n'ont pas tellement de pression éditoriale vu que ça marche, que le public continue à être fidèle même s'il se lasse un peu, ils se laissent de plus en plus aller. Bon, George Martin peut être aussi une espèce d'illustration de cette tendance actuelle. Donc c'est pas, je sais pas si c'est intrinsèquement lié au voyage lui-même qui induirait des longueurs, mais plus effectivement à cet effet de volume à suivre qui caractérise aussi notre genre favori. Du coup, je vais poser la question. On parle un peu de fantasy et j'aimerais bien voir le pendant science-fiction. Donc, si tu peux nous éclairer un petit peu dessus. Je pense que c'est pour moi. disons, c'est. On ne retrouve pas nécessairement les mêmes codes, mais dans la science-fiction, on est plus dans l'action. Et je pense que c'est un peu ce qui caractérise notre société actuelle, c'est l'évolution de la société. Et la littérature suit un petit peu l'évolution de notre société. On est plus dans l'immédiat, dans l'immédiateté, dans la rapidité, dans l'action, dans le tout de suite. Et donc, du coup, forcément, la littérature suit un petit peu ces notions-là. Donc, c'est logique, entre guillemets, qu'à notre époque, on ne retrouve plus nécessairement ces longs récits et quêtes initiatiques de fantasy qui sont très très bien et qui ont encore énormément de beaux jours devant eux. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on a
on est habitué à autre chose. Les nouveaux lecteurs, en tout cas, sont habitués à autre chose. Ils sont habitués à de l'action. Ils sont habitués, comme disait Bertrand, à des page-turners. Et donc, du coup, ça change un petit peu les codes. Et en science-fiction... Alors, moi, j'écris pas de science-fiction en particulier. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que pour mon premier roman, j'ai commencé à écrire une histoire. Et à un moment, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de la faire passer par une porte et qu'elle arrive sur un autre monde. Et ma réflexion, ça a vraiment été ça. Et du coup, bah forcément, elle passe cette porte, elle arrive dans un autre monde. Donc, je suis tombée dans tout ce qui était imaginaire. Et c'était vraiment... Je me suis fait plaisir avec cette histoire parce que j'ai mis un peu de SF, j'ai mis un peu de fantasy, j'ai mis un peu de fantastique, j'ai mis un peu de policier, j'ai mis un peu de tout. Donc, voilà. Mais voilà, au niveau... Oui, sur les longueurs, il y a aussi le point de vue éditorial qu'on pourrait peut-être mentionner rapidement, c'est-à-dire que aussi les volontés des éditeurs, dans le sens où beaucoup de romans font quand même ont tendance à rétrécir. Enfin, moi j'ai l'impression de croiser beaucoup plus de textes de 200, 250 pages, voire moins, comme la collection par exemple Une heure lumière du Bélial. Voilà, on est censé avoir lu l'histoire en une heure. Oui, voilà, une lumière. Mais parce que tout simplement, les volumes de vente diminuent. Donc, si on fait un très très gros livre, l'éditeur va tendance à avoir à dire ah, ça serait bien si tu pouvais rogner ici ou là. Donc, bon. Et c'est vrai que si on a tendance à faire. Si on est tellement à l'aise dans son monde qu'on a tendance à en faire un espèce de guide touristique, c'est sûr que les descriptions de voyage vont être parmi les premières à sauter. En dehors de points vraiment, on va dire, d'intrigue à résoudre. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi cette tendance éditoriale du moment qui fait que les gros livres, les gros pavés, ben, faut quand même, c'est un risque éditorial, quoi. Donc du coup, tu vas à l'essentiel dans ton texte. C'est un risque éditorial. Et puis, si je peux vraiment arriver avec une expérience de terrain, entre guillemets, quand on est présent sur salon et qu'on rencontre les lecteurs, quand on présente une saga, la première question, ou même quand on présente un livre, la première question qu'ils nous posent, c'est est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que c'est une série? Et en général, quand on répond, c'est en un seul tome, ils sont ravis. En tout cas, ces dernières années, c'est ce que j'ai constaté. Quand on répond, c'est en un seul tome, ils sont ravis. Quand on leur dit, c'est une saga, mais c'est en trois tomes et tout est déjà publié, ils sont un peu soulagés. Et si on arrive avec un premier tome en leur disant, ce sera le premier tome d'une saga épique de 15 tomes, ils commencent déjà à tirer un peu la tronche. Donc c'est vrai que derrière, on essaye de satisfaire entre guillemets les lecteurs, et c'est une demande de leur part d'avoir des récits plus courts, des récits plus condensés, et pas plus des longues sagas en tout cas. Ce qui est un peu dommage pour les auteurs du coup. Je pense que Bertrand ne me contredira pas quand dans un cadre scolaire... Essaye, vas-y. Quand dans un cadre scolaire, on doit par exemple faire choisir un livre à des élèves, aujourd'hui, c'est pas la couverture, c'est pas l'auteur, c'est pas le titre, ce qui va jouer, c'est l'épaisseur. Alors des fois on peut les tromper parce qu'il y a des livres très fins mais écrits tout petits, ils se font avoir. Mais en fait de manière générale, ça rejoint un petit peu l'idée du page-turner ou de l'immédiateté, c'est qu'il faut que ça soit facile, que ça prenne pas de temps et que ce soit un petit peu du consommable entre guillemets. Et du coup, le point de vue que j'en ai personnellement en éducation nationale, c'est qu'on se détache de tout ça parce qu'on arrive sur des littératures qui en viennent à être produites de plus en plus rapidement, avec quelques exceptions quand même, et je pense pas, et je pense qu'à mon avis, là je vais prendre des cailloux, mais que ça joue de manière positive dans l'image des littératures d'imaginaire en général. Donc. Que quoi je veux ? En fait, ce que je veux dire, c'est que, de mon point de vue, le fait qu'on favorise de plus en plus les ouvrages courts, ça renforce pas l'image de littérature noble qu'on cherche à avoir. C'est pas faux, mais... J'ai réussi à caser le « c'est pas faux ». Mais ceci dit, vous constaterez que tous les gros succès de fantasy pour la jeunesse, les jeunes sont des lecteurs vraiment importants, sont des séries. Évidemment, Harry Potter... il y a déjà une vingtaine d'années, mais depuis tous les Percy Jackson, qui sont avec des différentes sous-séries consacrées à toutes les différentes mythologies, les dragons de Nalsara,
que sais-je, la prophétie du... avec les petits dragons, là, la prophétie du feu, le tu. Les chats, la guerre des clans, non mais enfin voilà, et les choses sur lesquelles les enfants lecteurs de 9 à 14 ans accrochent vraiment, c'est important pour eux qu'il y en ait beaucoup. Les cabanes magiques, les... Enfin, voilà. Après, on peut aimer ou ne pas aimer, mais les textes qui vraiment suscitent une adhésion chez les enfants lecteurs dans cet espace-là, au contraire, ils en veulent plein. Alors, en fait, j'ai très mauvais souvenir de la lecture à l'école, et lent et laborieux. Et en fait, je me suis mis à lire vraiment grâce à mon cousin qui m'avait refilé une partie de ses bouquins par rapport qu'il avait lu. C'était du fantastique et j'ai fait en fait ça me plaît quoi, c'est le genre de littérature auquel j'accroche. Et parfois je me dis, si plus jeune on m'avait dit attends, tu vas avoir d'ici 10 ans tu vas bouffer des bouquins bien comme ça quoi, je fais non, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Tant si je suis là dans ce monde, on devait dire Nana de Zola, non, juste non, c'est pas possible. La notion de pays imaginaire dans Nana est quand même assez restreinte. Non, mais c'est lié au contexte scolaire aussi. Non, après, c'est vrai qu'en jeunesse, il y a beaucoup, beaucoup de séries. Après, peut-être la seule réserve que j'aurais, c'est que le niveau moyen des ventes en jeunesse est en général beaucoup plus élevé que chez les éditeurs de fantasy adultes, les pauvres, les pauvres. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est plus facile aussi quand on est, je sais pas, Milan, Gallimard jeunesse, ou voilà, de se dire qu'on va acheter, hop, on sort le chéquier et on achète 15 tomes d'un coup. Voilà, en fantasy adulte, il faut souvent se battre pour arriver à décrocher chaque lecteur. Donc voilà. C'est... Ouais, mais c'est, du coup, c'est assez paradoxal. Oui, ah oui, en fait, ce qui marche le mieux, c'est des séries, et on ne fait pas de séries pour que ça marche mieux. Donc, voilà. Il me semble qu'il y a une espèce de chose sur laquelle il faudrait... Mais en même temps, c'est, pour moi, des séries sont vraiment honnêtes. Je pense au Percy Jackson, des choses comme ça, dans la mesure où chaque tome va avoir une intrigue qui va avoir un début, un milieu, une fin. Enfin, je sais que moi, je fonctionne comme ça, parce que ma maison d'édition dit que ça fonctionne comme ça. Pour mes romans, genre, il y a un méchant dans chaque bouquin, il faut que le méchant il soit vaincu à la fin du bouquin, qu'il n'y ait pas une fin à suspense, qu'il n'y ait pas de suspense pour la suite. Et tout ce que j'ai le droit de faire, c'est de mettre des intrigues secondaires qui, elles, se développent de tome en tome, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, je pense que quelqu'un qui, alors peut-être pas pour Harry Potter à partir du tome 4 ou quelque chose comme ça, elle peut facilement lire un tome, et puis si on n'a pas trop accroché, et puis le devenir des personnages ou les intrigues secondaires ne nous intéresse pas, s'arrêter à la fin de ce tome-là, en fait. Donc, pour revenir sur le voyage, je vais poser une question qui, je pense, va soulever pas mal de réponses, sauf si Bertrand me contredit. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui est novice dans la littérature imaginaire, on a prononcé beaucoup de fois le mot voyage, on a prononcé beaucoup de fois le mot quête. Et quelle est la différence entre les deux ? J'ai peut-être un exemple, mais ça risque de spoiler la fin de Game of Thrones, qui ne l'a pas vu. Pas grave. Bon, je vais rester vague alors. À la fin de Game of Thrones, il y a un personnage qui part en voyage. Un des rares qui survit. Non, il part vraiment en voyage. Mais ce personnage, toute sa quête dans la série est terminée. Le personnage, il est arrivé, il s'est développé, etc. Et donc, le voyage qui suit derrière, peu importe ce qui va lui arriver, les aventures qui vont pouvoir lui arriver, pour moi, la différence entre le voyage et la quête, c'est que la quête, elle est à la fois extérieure et intérieure, en fait. Parfois même complètement juste intérieure, en fait. Oui, c'est ça. Bon, ben, on voyage, on prend des photos, on part en quête, on prend des nions. Et justement, toi, Bertrand, dans le mythe arthurien, la quête, c'est quelque chose que tu maîtrises, je pense.
Je maîtrise, oui, mais pas mes personnages, c'est un petit peu le problème. Ils savent pas, ils comprennent pas. Une quête, si elle est clairement établie dès le départ, c'est pas intéressant, ni pour le lecteur, ni pour le personnage, ni pour l'auteur. Elle doit se révéler au fur et à mesure. Le départ, parfois, est brutal. Oui, c'est une fuite. Ça commence par une fuite. Hein. Le roi Arthur est trahi dès les premières pages par un chevalier félon, et bon, les survivants doivent prendre la poudre des escampettes. Et au fur et à mesure, ils comprennent quelle va être cette mission, comment réussir à inverser la tendance, vu que le mal a gagné dès le départ. Mais oui, toute la trilogie, c'est un long voyage. Mais parsemé de quêtes secondaires ou une quête principale, on découvre seulement peu à peu que l'héros cherche le pouvoir, mais chacun a sa propre définition du pouvoir. On veut tous le pouvoir. Hein. On parlait de Batman tout à l'heure à midi, le dictateur du bien. C'est ça, il veut absolument faire régner la terreur pour que les gens soient heureux. Voilà, on a tous notre propre définition du bien. La quête n'apparaît jamais clairement, sauf s'il y a un donneur de quête dans un jeu vidéo. Pareil, on parlait de jeux vidéo. Mais dans les MMORPG, vous avez votre PNJ qui vous dit voilà, tu viens de tuer 10 loups, c'est super, mais on n'en sort pas grandi. Une quête, ça doit faire écho au personnage, ça doit le changer, ça doit le bousculer, ça doit lui faire mal, ça doit parfois lui faire frôler la mort. Mais la quête doit faire vraiment avoir un impact sur la vie du personnage, durablement. Alors que le voyage, on parle de voyage plus sérieusement, un personnage peut voyager si pour le. Pour l'agrément, ou bien un peu dans ses fonctions, mais c'est moins, d'un point de vue narratif, c'est pas passionnant à écrire et c'est pas passionnant à suivre. S'il n'y a pas un enjeu derrière, voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien Pratchett, mais parfois certains de ses voyages me semblent moins. C'est trop léger parfois. Alors, j'adore ce personnage, cette odeur pour plein de raisons, mais j'aime quand il y a un peu de symbole fort. La fameuse quête du Graal, c'est la plus connue. Tout le monde s'imagine qu'un jour le roi Arthur a dit à ses chevaliers d'aller chercher le Graal. Non, c'est faux, c'est Perceval qui. Il a découvert par hasard le château invisible. Et là, tout à coup, on comprend que le Graal peut avoir une importance. C'est pas un plateau à viande, donc c'est même pas une coupe. Un bocal en choix. C'est un bocal en choix. Voilà, les quêtes, une pierre incandescente. Bon, Graal, c'est qu'un G minuscule, c'est un plat à viande. Les gens n'en croient jamais. Mais voilà, la quête, c'est aussi le personnage qui va choisir ce que sera sa quête et en quoi elle sera utile. Il peut la refuser, sa quête aussi. On peut se détourner de son destin et devenir quelqu'un de commun. Mais ça n'a rien de triste d'être commun. Ça fait aussi écho à la vraie vie. Est-ce qu'on veut être un héros? Est-ce qu'on veut être quelqu'un de sans histoire? Mais les gens sans histoire ne meurent pas trop vite. Et ont même des chances d'être heureux. Les héros finissent souvent vite morts et dans d'affreuses souffrances. Oui, si je peux rebondir là-dessus. Je rebondis, non. Je dirais que, voilà, peut-être dans une quête, effectivement, le parcours à ce moment-là, intérieur du personnage, est plus important finalement que le déplacement géographique qu'il va faire, dans le sens où, parce que bon, voilà, la quête c'est quand même quelque chose qu'on retrouve aux origines quand même du genre fantasy, hein, ne serait-ce que la source au bout du monde, par exemple, de William Morris, et d'autres ouvrages quand même qui maintenant une certaine qui remontent maintenant, c'était déjà un élément très présent, la quête. Qui est souvent concomitante au voyage, mais dans ce cas-là, on peut effectivement avoir des. On parlait tout à l'heure de l'Empire contre-attaque, et effectivement, voilà, parfois quelques mètres suffisent à transformer quelqu'un, et c'est là ce côté un peu de transformation, qu'on peut retrouver aussi même dans le. Dans la philosophie, ou même. Je m'étais intéressé à. Pas par occultisme, mais juste en vue de recherche sur un livre, justement, à l'alchimie, mais chinoise. Et il me semble que, justement, la transformation intérieure est quelque chose de très très important. Et justement, la quête, plus à ce moment-là que le voyage lui-même, donc le but que se fixe ou qu'on donne au personnage, a ce côté vraiment évolution qui fait qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, la personne n'est finalement plus la même. Une quête, tout simplement, c'est le mot veut dire recherche. On va chercher quelque chose. Donc, c'est histoire de réconcilier. Et c'est ça qui lui donne son sens et sa puissance narrative. Et le Seigneur des Anneaux, c'est une quête, c'est une antiquette. C'est un voyage pour aller détruire quelque chose qui a été trouvé, mais qui n'aurait pas dû être trouvé. Donc voilà, on a ce choix-là, en gros, trouver quelque chose qui va nous élever ou détruire quelque chose qui risque
qui menace le monde entier, c'est les scénarios les plus basiques, mais aussi les plus puissants, on y revient, qui soient dans la fantasy et dans la SF, en fait, dans la SF qui ressemble à de la fantasy dans le space opera. Alors, on a parlé du héros, de sa quête, de son voyage, mais la question que je me pose, c'est comment on voyage dans les mondes imaginaires ? Quels sont les moyens mis à disposition des personnages, des héros ? Est-ce qu'il va marcher, il va prendre le cheval, etc. Hein, attention. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Est-ce que ça reste crédible, la plupart du temps, ou pas ? Je sais par exemple qu'Anne Besson, vous avez écrit quelque chose sur les routes de Westeros. Est-ce que justement, vous pouvez en parler un petit peu plus ? C'est une chouette question. Ouais. Effectivement, alors la fantasy en général, c'est pas le cas de la science-fiction, mais la fantasy en général, c'est des mondes pré-technologiques. Donc on n'a pas accès à des moyens de transport rapides. Donc effectivement, essentiellement, on marche, on prend le bateau, on chevauche avec des niveaux de vraisemblance divers, de Tolkien qui notait vraiment les jours nécessaires pour faire tel ou tel trajet en suivant sur la carte, aux dernières saisons de Game of Thrones qui au contraire raccourcissent le temps de manière très très bizarre, puisque ce qui prenait des plusieurs mois au départ semble désormais à peu près instantané. Mais après il y a divers types de fantasy. Et par exemple, et il est normal que ça prenne du temps d'aller d'un endroit à un autre. Par exemple, dans Harry Potter, on prend le train pour aller à Poudlard. C'est quand même bizarre de devoir aller à la gare et puis prendre le train, et puis que ça dure un certain temps, puis après prendre un bateau pour traverser le lac. Enfin voilà, toutes ces étapes qui sont des étapes initiatiques, qui sont des étapes symboliques pour que ce soit dur d'arriver dans ce monde. Et après, bizarrement, on découvre que dans le monde des sorciers, il y a la poudre de cheminette, ou il y a les portes au loin. Donc en fait, il y a des techniques pour aller instantanément d'un point à un autre. C'est juste que la plupart du temps, on a envie que le voyage dure, et le voyage a un sens en lui-même et un intérêt en lui-même, et donc les moyens de locomotion, alors qu'on a des moyens magiques, ou en science-fiction, bien sûr, on peut aller plus vite que la lumière, on peut aller super vite d'un point A à un point B. En général, on choisit quand même, dans la narration, de prendre un peu notre temps, et on retrouve notre discussion sur la longueur des romans. Oui, vraiment, comme disait George Martin, disait qu'en gros, dès qu'il y a de la magie, c'est des emmerdes. Et c'est pour ça qu'effectivement, le coup des portails, c'est bien gentil, mais on aime retrouver l'échelle réelle. Les personnages marchent, comme ça, ils retrouvent goût à la distance, au temps, ben, c'est vrai. Bien sûr, on peut leur faire prendre des chevaux, des dragons, mais moi, je veux toujours, quand j'écris, dans la saga arthurienne, il y a différents moyens de locomotion, il y a tout un bestiaire, mais je veux qu'il y ait une logique. C'est-à-dire que le lecteur ne se dise pas, tiens, c'est arrivé comme un cheveu dans la soupe. Le personnage a besoin d'aller dans tel château, il a trouvé comme par hasard un cheval ailé dans l'écurie à côté, et hop, c'est parti. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je sais qu'à un moment, il y a juste une scène, les personnages ont besoin d'une charrette, de deux mules. Voilà, elles sont là. C'est totalement banal, ça n'a aucun intérêt en soi. Et pourtant, c'est ce moyen de locomotion qui aura une incidence sur tout le reste de la saga, parce que ça va leur permettre de rencontrer un personnage éminemment important et qui va être indispensable à la réalisation, en tout cas l'aboutissement de la fin du tome 1, une simple charrette. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de choses extraordinaires, mais en tout cas, moi j'aime qu'il y ait une raison au moyen de locomotion. Sinon c'est facile, et sinon c'est inintéressant pour le lecteur. Le coup du portage, on l'a fait une fois, c'est Merlin qui l'avait fait, et comme il était vieux, il avait perdu la moitié de ses pouvoirs, le portail a totalement foiré, ils se sont retrouvés, il ne fallait pas, et à la mauvaise époque. C'est bien donc extrêmement dangereux. Donc la facilité de la magie, voilà, faut toujours se méfier. Il faut que le lecteur soit surpris. Il faut qu'il y ait un intérêt. Il faut toujours penser qu'on écrit pour quelqu'un, et que cette personne soit étonnée. Moi, j'adore balader les lecteurs, et voilà, il faut donc que le voyage soit intéressant, qu'il y ait une vraie fonction, la lenteur ou la surprise. C'est vrai que là-dessus, ce que tu dis, on ne peut pas non plus... Désolé, j'ai coupé quelqu'un. tu disais, trouver une charrette ou trouver un cheval ailé juste quand on doit aller quelque part, oui, on peut aller qu'en cheval ailé, c'est des facilités que, en tant qu'auteur, on ne peut pas se permettre, parce que en tant que lecteur, les gens n'ont pas envie de trouver ça, en fait. Ta gueule, c'est magique. Voilà. Quand j'essaie de faire un déplacement entre deux points dans l'univers fantastique que j'ai créé,
je donne toujours une raison pour que ce moyen de transport existe, en fait. Donc c'est un monde souterrain, il y a des cabines téléphériques qui vont entre le monde souterrain et le monde de la surface. Elles ont une raison d'exister, elles ne sont pas là juste pour guider l'héroïne à la surface, en fait. Et je pense que c'est avant tout une honnêteté envers le lecteur que de ne pas lui proposer des solutions de voyage trop rapides, en fait. Et là-dessus, c'est sûr que Tolkien, il était le plus honnête de tous à calculer les distances, quoi. Et d'ailleurs, dans les films, on ne ressent pas cette longueur. Enfin, les films durent 9 heures, on n'a pas le sentiment qu'il se passe un an. Donc, quand il se passe un an, Peter Jackson a beau faire un excellent film, imaginons que ça se passe en quelques semaines, cette histoire. On n'a pas la longueur. Le film n'arrive pas à retranscrire la lenteur. C'est pas tant Bombadil, mais... Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Sylvain, sur le côté vraisemblance aussi. Parce qu'après, je trouve qu'il y a, voilà, c'est surtout en fantasy, il y a un peu, c'est, enfin, un choix, quoi. C'est, est-ce que c'est vraiment crédible, ou est-ce que aussi t'as un peu le facteur cool, on va dire. Moi, je pense aux atouts dans Les Neuf Princes d'Ambre, par exemple, qui est un moyen de déplacement finalement quasiment instantané, suffit de se concentrer sur un lieu pour arriver à. C'est un jeu de cartes avec des personnages. Voilà, et du coup, on finit par se concentrer. Et voilà, on peut se retrouver finalement dans le lieu en quelques secondes, si je me souviens bien, une fois qu'on maîtrise le truc. Et voilà, moi j'avais trouvé ça génial à la lecture. Mais après, c'est sûr que niveau vraisemblance, là, on s'éloigne un peu. C'est sûr que la fantasy, ça dépend où on se place au niveau, où on la place au niveau technologique. Que ce soit effectivement quelque chose qui se rapproche beaucoup du Moyen-Âge classique, ou alors à ce moment-là, on peut tomber dans le steampunk, comme chez Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével, tout ça, où voilà, tout de suite ça ouvre de nouvelles portes, on n'est pas obligé de se contenter d'un cheval, on peut avoir effectivement des trains, et puis aussi, quelque chose qui m'intéresse dans les moyens de transport, c'est la symbolique qu'on peut attacher au moyen de transport lui-même. Là, pour le coup, je pense à un de mes ouvrages dans Sélestopol, pour le coup, qui est donc du nom de la cité en question qui est placée sur la Lune. Et du coup, pour la rejoindre, il faut prendre un obus à la Jules Verne. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une cité qui représente un peu l'idéal de ce que pourrait créer la civilisation. Et voilà, c'est aussi une cité qui est quand même réservée avant tout, où le luxe et les richesses cachent bien souvent d'autres choses. Et c'est vrai que rien que dans le fait de prendre un obus traversier, ça dépend, c'est un peu comme les grands paquebots à l'époque, ça dépend dans quelle classe on voyage, on sait d'avance pourquoi on y va. Et dans quel. Si tu y vas quasiment en touriste. Ou si tu voyages vraiment, limite pas à fond de cale non plus, mais bon, et que tu vas te retrouver là-bas pour finir sous terre, justement, dans des usines, par exemple, en tant que simple ouvrier. Donc voilà, je pense que le moyen de transport lui-même peut aussi avoir une vraie symbolique au-delà du temps que ça représente en déplacement pur. Et puis il peut avoir une symbolique, mais aussi ça peut amener un plus à l'histoire, dans le sens, par exemple, où si tu prends... un cheval, je pense notamment à l'histoire sans fin. On a tous été un peu traumatisés par cette scène, moi en tout cas, oui. Il y a vraiment un affect par rapport à ces personnages qui sont même pas des personnages secondaires, qui sont simplement des moyens de transport, mais qui du coup, comme ils sont embrigadés dans l'histoire, ils deviennent un peu plus que ça. Donc voilà, ça c'est un des intérêts aussi. Et si je peux juste rajouter un tout petit mot, parce que là on parle d'imaginaire, de fantaisie et de livre, mais le moyen de transport est très utilisé dans les séries télé. On se baigne tous dans les séries télé, moi oui, et en SF en particulier, les vaisseaux vivants, si vous connaissez la série Farscape peut-être, c'est extraordinaire, des années 2000, où les personnages voyagent une sorte de baleine, enfin un vaisseau biomécanique, et tel Jonas dans la baleine, il traverse l'univers dans ce personnage qui s'appelle Moya, c'est le véhicule a un nom, une histoire à background, et c'est relativement fréquent dans les séries télé que le moyen de transport, surtout chez les Américains, pour plein de raisons, ils idolâtrent leur bagnole, donc le moyen de transport, bah oui, c'est comme ça,
Jamais chez les Français, regardez les séries françaises, ils sont foutent de rouler en Peugeot, mais c'est normal. Si vous prenez par exemple Supernatural, qui est une série de fantasy urbaine, leur voiture, l'Impala, la Chevrolet, a une histoire, un background, et même tout un épisode qui se passe uniquement à l'intérieur de la voiture. Donc on est en point de vue interne, ils ont calé la caméra sur la banquette arrière, et pendant une heure, on voit les personnages sortir, rentrer, on comprend de manière parcellaire ce qui se passe, parce que nous sommes la voiture. Donc c'est vraiment l'aboutissement du le véhicule à droit est au cœur de l'histoire. Voilà. C'est amusant aussi. J'avais une question pour toi, Émilie. Tout à l'heure, tu parlais de voyager par portail. Et pourquoi avoir choisi seulement un portail et pas un autre moyen de locomotion ? Parce qu'il y a une symbolique particulière liée au portail. Alors, je vais être tout à fait honnête, non. Il n'y a pas de symbolique particulière. Là, pour le coup, c'était mon premier roman et je suis peut-être tombée dans la facilité. Je me suis dit, tiens, ça va être un portail. Mais peut-être que... À la réflexion, si je devais le reconstruire maintenant, je ferais différemment, pour pas justement retomber dans ces clichés du portail qui t'amène un peu, enfin pas où tu veux, parce qu'en fait le principe c'est que chacun a un voyage particulier à faire, et deux personnes peuvent prendre le même portail, s'ils n'ont pas la même destinée, ben, ils n'iront pas au même endroit. Donc ça, c'était un peu l'explication parfaite entre guillemets pour la direction que je voulais donner à mon histoire. Mais voilà, j'ai choisi le portail parce que c'était facile, entre guillemets. C'est bien les portails aussi. Moi, je suis très très bon public, vous concentrez. Ça dépend de ce qu'on en fait. Il y a des très bons usages du portail. La série Stargate est entièrement fondée autour d'un portail. Et ça ne l'empêche pas d'avoir justement de tirer de ce qui est vraiment un procédé qui semble évident, une énorme richesse scénaristique ensuite. Hein. J'avais un autre exemple, mais qui m'échappe maintenant. Si, c'est dans le Dan Simmons, Hyperion, le premier volume d'Hyperion, avant qu'on ne découvre que ces portails sont en fait un espèce de piège pour les humains, ils ont accès, donc l'humanité future passe par des portails distance, ça s'appelle, et les gens qui sont riches, par exemple, ils peuvent avoir une pièce sur chaque planète. Et la description de cette maison-là, la maison du poète, qui est devenue très riche à un moment parce qu'il a écrit un best-seller, et dont la salle de bain est sur une planète avec des récifs coralliens, son bureau est tout en haut d'une montagne, ça fait rêver. Et voilà, le rôle de l'imaginaire, de la fantasy et de la SF en l'occurrence, parce que Hyperion c'est de la SF, c'est vraiment ça, c'est de réussir à nous faire rêver. Et ça, la possibilité d'un déplacement instantané, ça fait partie des choses auxquelles on rêve. Avec l'immortalité, avec la possibilité de voler, avec la possibilité de communiquer avec les animaux, etc., qui sont autant de thèmes très profonds de l'imaginaire. Ce déplacement instantané, la magie ou la technologie future qui ne s'en distingue quasiment pas, et nous y donne accès, et ça fait vraiment partie des choses qui vont nous séduire dans ces littératures. Vive les portails. Faire des petits badges. Ce qui m'amène Doctor ensuite. Who aussi. C'est un portail. Une cabine téléphonique. Ouais, justement, en fait, c'est un petit peu en marge, mais pourquoi le portail prend autant de formes différentes ? Moi, personnellement, quand on me dit portail, je pense pas à Stargate, je pense à Narnia, en fait. On rentre dans une armoire. Parce qu'il y a une symbolique de l'enfance, etc. Mais finalement, un portail, c'est un trou. Et on va d'un endroit A, on traverse, on arrive à un endroit B. Et pourquoi est-ce qu'il peut prendre autant de formes ? Qu'est-ce qui fait que c'est pas simplement une porte ou... Ça, c'est une question personnelle que je me pose. Alors, donc, c'est un besoin de renouvellement, hein, puisque voilà, ça peut être une arche. Hein. Pour moi, le portail type, c'est une arche. Mais effectivement, dans les chroniques de Narnia, les enfants ils passent dans le monde de Narnia avec des techniques différentes à chaque épisode. Ils passent à travers une armoire, donc dans le premier qui est le plus connu, mais ils passent à travers un tableau, ils sont emportés par un train, un tramway. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je
suis resté sur l'armoire. Il y a que ceux-là qui me reviennent pour l'instant. Pour moi, le portail, c'est une image concrète de l'immersion. Donc de ce qui se passe quand on commence à lire. Quand on commence à lire, on passe dans un autre monde. Voilà. Il y a une partie de ce qui se passe autour de nous qui disparaît. On est concentré sur ce qu'on lit, sur ce qu'on regarde. Voilà, Proust décrit très bien ça dans les journées de lecture. On est ailleurs pour un petit moment et cet autre monde, il nous paraît en partie plus réel que ce qu'on vit. Le portail matérialise ça. Il matérialise l'immersion. Et d'ailleurs, moi, parmi les portails que je préfère, c'est des œuvres où le portail est un livre. L'histoire sans fin, c'est le cas. L'enfant Bastien, il lit un livre et il passe dans le pays imaginaire à travers le livre. Et ça, c'est des exemples, il y en a plein, qui viennent nous dire que le voyage dans l'autre monde de la fantaisie, ce dont il nous parle, c'est de notre évasion mentale dans les livres ou dans la fiction en général, dans les choses imaginaires qu'on se crée. Ou les librairies. Ou les librairies, c'est ça. Donc là, voilà, un portail dimensionnel. Exactement, mais on est ici dans un multivers. Et donc, dernier bouquin que j'ai écrit, je vais le citer, c'est Nils et les trois mondes. Et c'est pas grave, t'en veux pas. Il est là-bas, sur la table, vous pourrez voir après. Non, mais sur mes personnages, les gentils et les méchants, il y a deux camps, hein, ça, c'est très manichéen. J'ai pas inventé le choix, il y a deux portails, de part et d'autre, mais ces portails sont dans des endroits très symboliques, l'un dans une librairie, l'autre dans un CDI de collège. Deux endroits où le livre est roi. Voilà. Aussi, alors j'écris là, c'est de la fantaisie pour enfants, on est tout à fait d'accord, c'est du livre pour enfants, pour inconsciemment que le jeune lecteur ait le message, le livre est un portail en soi, quelle que soit la littérature. Et quand même, la plupart des romans de fiction sont des ouvertures, des voyages, soit réalistes, hein, bien sûr, quelle que soit l'obédience littéraire, tout n'est pas forcément fantaisie, mais tout roman est un voyage. Et donc voilà, une librairie, en soi, c'est un lieu de jour. Et c'est classique aussi, hein, forcément. Voilà, une librairie, donc c'est fait moins rêver une charcuterie pour aller voyager, mais pourquoi pas. Mais autant le portail pour passer d'un monde à l'autre reste d'un intérêt certain, autant le portail pour voyager dans le monde, est-ce que c'est pas une espèce de solution de facilité? Alors je vais prendre un exemple qui est très d'actualité, en tout cas pour ceux qui suivent le jeu vidéo. On a ressorti il y a pas longtemps la version classique de World of Warcraft, et pour ceux qui suivent un petit peu, dans l'évolution du jeu, au fur et à mesure des sorties, on a implémenté de plus en plus de portails, de facilités, de téléportation, etc. Parce que les gens râlaient, ils voulaient pas marcher. Voilà. Et non, mais c'est vrai. Et est-ce que là, les gens qui jouent actuellement la version, on va dire 1.13, je crois, sont obligés de marcher? C'est très long, mais ça fait partie du jeu. Et est-ce que dans la littérature de manière générale, intégrer un portail, c'est pas pour l'auteur une manière de se dédouaner de toute cette dimension, on va dire, d'aventure, du voyage, et ce qui fait que le héros est obligé de passer par là pour le côté formateur? Parce que si je dois aller dans la capitale, mais que dans le village où je suis, il y a un portail, c'est en fait, il saute de point en point et on occupe toute cette dimension. Et est-ce que dans la littérature, c'est pas justement mal d'utiliser un portail? Je pense que si l'auteur a utilisé un portail, c'est parce qu'il a une raison d'utiliser un portail. Parce que quand on écrit, il y a cet outil merveilleux qui s'appelle l'ellipse. Moi, je sais que voilà, je vais lancer mes héros dans des aventures. Le fait de comment est-ce qu'elle est rentrée chez elle après, à la fin, n'est pas super intéressant. Donc on fait une semaine plus tard, et puis voilà, on explique qu'elle est rentrée, et puis c'est tout. Enfin, du coup, c'est un tête portail. Bilbo, quand il revient, c'est marqué en trois lignes qu'il a vécu d'autres aventures, etc. On ne sait pas lesquelles, il arrive chez lui. Oui. Il n'est pas téléporté par Gandalf. Oui, et du coup, voilà, c'est plus ou moins une ellipse aussi. Donc du coup, je pense que si la personne... Enfin, si l'auteur a mis un portail, c'est parce qu'il avait vraiment envie de mettre un portail, parce que l'ellipse aurait été une solution tout aussi facile et qui aurait paru moins tirée par les cheveux pour le lecteur. Oui, dans un jeu vidéo, je pense qu'une ellipse, c'est encore plus, ça casse plus l'immersion qu'un portail, justement, que faire un écran noir d'ellipse pour un déplacement sur un lieu.
Ah non, ça, le fast travel dans les Elder Scrolls, etc., moi je l'ai banni, je l'utilise pas. Je marche. Petite diversion justement sur le jeu vidéo. Dans le cadre d'un jeu vidéo, se refaire 30 fois le même trajet pour une chose qu'on connaît déjà, le côté initiatique, le côté renforcement, il n'est pas là. Voilà, le faire une première fois, effectivement, c'est intéressant de le faire, mais ensuite, une fois qu'on a, on a toujours envie de pouvoir faciliter, d'ellipser nous-mêmes. Ben, le voyage qui a déjà été fait, quoi. Ouais, ça développe en nous notre endurance, notre goût du... Donc c'est la solution de facilité. C'est ce que j'explique tous les matins à mon boss, je fais chez Jobdune hier. Non, non, ben, je suis d'accord avec les interventions du public. Au bout d'un moment, dans The Witcher 3, quand on a ta 195e mission secondaire... Ben, Ablette, est très sympa, mais bon... Non, moi je suis d'accord. Le faire une fois, deux fois, c'est vrai que bon, voilà, ça fait partie de l'aventure. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment. Je m'en dis ce micro. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que je vois plus trop l'intérêt en fait d'avoir recours à. Enfin, de s'imposer presque le voyage. Ou alors il faut jouer sans carte affichée, sans aucune indication pour vraiment être. Mais on est plus dans la totale. Oui. On n'est plus dans la narration. Les romans, c'est narratif, c'est un récit. Les jeux, il y a une part de récit, puis il y a une part de jeu, voilà, de mécanisme ludique. Et quand on rejoue, eh ben, on n'est que dans la partie ludique. Bah, on est acteur, on peut vite avoir la peine. Si je puis me permettre, parce que tu prends World of Warcraft, donc forcément, je connais très bien. C'est un jeu quand même, c'est un jeu de fantasy, mais il y a beaucoup de personnages très réalistes. Le guerrier n'a rien de magique, le voleur n'a rien de magique, donc il y a quand même des classes qui sont extrêmement crédibles, en tout cas dans notre vrai monde, et le seul qui soit capable de t'envoyer très loin, ce fameux portail, c'est le mage. Comme par hasard, c'est le seul qui... Voilà. Donc il y a une sorte de couche à l'intérieur de la couche, hein, une mise en abîme, il n'y a que le mage dans un jeu de fantasy qui peut t'envoyer à l'autre bout du monde. Donc, il faut pas être dans un jeu de fantasy, rêve, hein, sans avoir de TP, de... Il y a le démoniste aussi. Non, mais les démons. Hein. Je ne sais plus qui a parlé de cartes. Je ne sais plus si c'est Anne ou Emmanuel. Mais justement, c'est bien parce que je voulais aborder la question des cartes en fantasy. Parce que ça, je pense que c'est un gros morceau. Si vous avez déjà ouvert un roman, il est fort probable qu'au début, il y ait une carte qui soit plus ou moins bien faite. Or, ou je ne sais plus quel autre roman. Je me référais, ou Game of Thrones, je me référais à la carte. Pour essayer de comprendre. C'est ce que la série Game of Thrones fait aussi en vous remettant la carte à chaque générique pour se rappeler où se passe l'action. Ça crée du coup une passerelle entre le monde réel et le monde imaginaire, parce que des cartes, on en a tous vu dans le livre. Ça ancre, si vous voulez, l'univers imaginaire dans un modèle réel, en fait. Mais après, c'est vrai que la carte, ben, elle... Et elle impose des limites aussi quand on se lance. Ce que je disais, moi, si j'avais fait une carte dès le départ, je me serais borné à ce qui figurait sur la carte et j'aurais pas pu explorer. Et imaginons si quelqu'un avait fait une carte de l'univers de Doctor Who ou quelque chose comme ça, ça aurait été déjà très difficile à faire, mais surtout ça aurait borné l'univers d'une certaine façon en fait. Oui, je dirais aussi que les cartes, l'avantage, c'est que, pour ceux qui aiment, c'est que du coup, on peut aussi se retrouver dans la peau des personnages, presque. Parce que, par exemple, si on retrouve des personnages avant une bataille, et qu'ils préparent leur bataille devant une carte, par exemple, ça peut être en gros, on peut se retrouver un peu avec la même carte en appendice ou en intro, et du coup, on est encore plus immergé dans l'univers en question. Donc, je pense que ça peut jouer aussi. Après, ouais, c'est vrai qu'à titre personnel, les cartes, moi, j'en suis un peu revenu, c'est vrai que voilà, quand j'ai découvert le Seigneur des Anneaux, je dirais une carte c'est super et tout, puis après t'en vois 2, 3, 4, bon après quand tous les univers ont leur carte et pas toujours aussi travaillée ou réfléchie que celle de Tolkien justement, bah ça fait un peu ersatz tout simplement. Et moi j'avoue que moi maintenant ça me manque pas de pas trouver une carte en début d'ouvrage pour un roman de fantasy épique, encore une fois, où c'est souvent le sous-genre de la fantasy où on en retrouve le plus. Et je sais qu'à titre personnel, voilà, pour un de mes romans, bah, L'Empire du Léopard, dans ce cas-là, où avec l'éditeur, on s'était interrogé, est-ce qu'on met une carte, est-ce qu'on met pas une carte, parce qu'on suit donc un régiment de soldats coloniaux qui a été envoyé dans une péninsule, mais n'avait aucune envie d'y aller.
donc pour pacifier la région. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, et puis finalement, même pour l'immersion, c'est mieux de se faire soi-même sa propre idée de l'univers au fur et à mesure, sachant qu'il y avait des zones qui ne sont pas justement encore explorées. Donc bah, forcément, pour les cartographier, ça devient un peu compliqué. Et puis, il y a aussi ce côté, par contre, qu'on peut retrouver dans les cartes, le côté peut-être de frontière. Voilà, la frontière, ça représente aussi quelque chose, l'inconnu, de nouvelles limites à dépasser, etc. Donc, ça peut aussi jouer, je pense, sur l'appréciation qu'on a de la représentation d'un univers. Bon, effectivement, pour moi, la carte, c'est un marqueur de genre. C'est quelque chose qui est typique de la fantasy, qu'on s'attend à retrouver, qu'on retrouve souvent. Et donc, soit on est un énorme amateur de fantasy comme Emmanuel Chastelière, et au bout d'un moment, on en a un peu marre, mais il faut se dire qu'il y a tout le temps des nouveaux lecteurs qui arrivent, hein, et c'est pour ça que je reviens toujours sur la partie jeunesse de la fantasy, c'est que le genre, il est redécouvert par chaque génération de lecteurs et par chaque lecteur individuel qui y arrive. Donc les premières cartes qu'on rencontre, même si c'est pas celle du Seigneur des Anneaux, elle nous émerveille à chaque fois, toujours autant, parce que justement on a l'impression d'être face à la concrétisation de ce monde imaginaire qui effectivement se rapproche d'une autre. Et puis du coup c'est un support d'imagination très fort et qui est d'ailleurs retrouvé dans tous les médias de la fantasy, parce que donc ça apporte une illustration. Il y a une image dans du texte, quand c'est dans du roman, mais on a parlé du générique de Game of Thrones qui nous l'a fait voir, dans Le Seigneur des Anneaux de Jackson aussi, la caméra survole la carte dans les génériques, et dans les jeux de rôle et dans les jeux vidéo, c'est une base absolue, c'est une des premières choses auxquelles on a accès, auxquelles on va constamment se référer, c'est vraiment... passage dans le voyage imaginaire. On peut dire que ça limite dans un certain sens ce qu'on peut imaginer autour du monde. Et par exemple, Jaworski ou Lionel Davoust se refusent à donner la carte de leurs univers qui sont pourtant très demandés par leurs lecteurs, justement pour laisser cette ouverture. Dans un autre sens, Tolkien, il avait la carte qu'il a donnée, il ne la couvre pas entièrement. Le roman ne couvre pas toute la carte. Et ça, c'est le cas dans la plupart des grandes œuvres de fantasy. En fait, il y a des zones de la carte, il y a des régions géographiques qu'on n'a pas explorées et auxquelles, bien entendu, on est invité à rêver. Et si on écrit des fanfictions, on peut aller proposer sa propre exploration de ces zones-là. Donc, il y a, dans la carte, il y a toujours des blancs, il y a toujours des espaces à rêver. Et c'est ça qui est chouette. Et puis à l'inverse, ce que tu disais par rapport au fait que ton univers est en expansion, tu peux aussi envisager de faire une carte qui soit incomplète et de la compléter au fur et à mesure, comme si l'exploration n'était pas encore terminée au départ et qu'elle évoluait au cours du temps. Je pense que ça peut être sympa. Alors, aussi. Il est en expansion, mais constante. C'est-à-dire que par exemple, la capitale, comme c'est le monde des morts en fait, où tous les gens se retrouvent après leur décès, la capitale, elle grandit chaque jour, en fait. Donc, c'est impossible de leur faire une carte. Effectivement, comme ça, c'est un peu plus compliqué. Mais, et pour le fait que ça limite un petit peu l'imagination du lecteur, ça, c'est toujours la question qu'on se pose, que ce soit pour une carte ou pour des illustrations, c'est de se dire, est-ce qu'on force, entre guillemets, notre image ou notre imaginaire à nous, ou est-ce qu'on laisse le lecteur se faire vraiment sa propre idée complète sur ce qu'on a voulu transmettre ? Ça, je pense que c'est un équilibre à trouver entre trop d'illustrations et pas assez. Et moi, je suis d'accord avec Anne Besson, c'est d'abord penser aux jeunes lecteurs. On est adulte, on en a un peu marre des cartes, on passe. Par contre, moi, gamin, j'adorais les cartes. Enfin, je regardais ça parce que c'était fascinant, parce que voilà, je regardais aussi les images de Goldorak à côté. Mais on est vite fasciné par le visuel. Maintenant, quand on est auteur, on n'écrit pas tout de la même manière, manifestement. Moi, j'écris, tout est monté. Donc, je fais déjà une carte en brouillon, en A3, dans mon bureau. Je sais où ils vont. Donc, j'ai déjà ma vraie carte de boulot, quoi. Et comme je ne sais faire qu'une tête à Toto, quand on me dit, on va payer un illustrateur pour toi, je suis tout fou, quoi. Je fais des bons. Et quand j'ai vu ma première carte, où je vois Brocéliande et Logre écrit sur une carte, je suis forcément baba. Mais par contre, quand on arrive au tome 2, je trouvais ça un peu stérile d'avoir de nouveau une carte. Donc, c'est peut-être la même, même si c'est plus vaste. Et j'avais réfléchi bien avant d'écrire le tome 2, je me suis dit absolument qu'un personnage, à un moment donné, évoque cette carte et que ce soit utile dans l'histoire.
Et à un moment donné, effectivement, j'ai bien mon nain. J'adore mon nain. Et il propose de faire une carte des terres qu'il aura visitées pour son enfant à venir. Et donc, c'est une carte légendée par un nain. Donc, des endroits sympas où il y a de la bière, des endroits pas sympas où il y a des légumes. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, cette carte est utile pour le lecteur. En même temps, elle a une raison d'être. C'est presque un goodies en plus, parce que ce n'était pas nécessaire. Mais elle se justifie parce qu'on fera écho. Donc, parfois, il faut essayer aussi de... On a des choses originales. Oui, c'est un poncif. Les cartes, c'est... Je ne sais pas si Tolkien était le premier à mettre des cartes dans ses romans, mais on connaît Tolkien parce qu'il il a été le premier à mettre une carte de fantasy. Mais moi, je trouve ça bien. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Il y a le pays d'Oz qui est déjà cartographié oui, donc, au début du 20e. Juste quand même, je n'ai rien contre les cartographes, mais c'est juste pour préciser que si la carte apporte quelque chose d'original, comme dans le cas présent, ou effectivement, peut-être dans un récit plus de jeunesse, moi ça me dérange absolument pas, hein, je suis en guerre contre les cartes. Mais c'est juste que dans beaucoup de récits, on va dire de fantasy, donc à ce moment-là épique, et destiné à un public, on va dire, plus adulte, là je trouve que parfois, elles ont ni spécificité, ni apport par rapport à l'histoire. Je sais plus, dans Game of Thrones, dans les bouquins, il y avait des cartes, justement, ce qui en a. Oui, je crois. Oui, et elles grandissent, et justement, ce que tu disais, dans le deuxième volume, troisième volume, il y a toute la partie Essos qui apparaît. Je pense que Emmanuel, quand il parle de cartes pour la fantaisie adulte, à un moment donné, tu as dû penser à l'épée de Shannara, qui est. Justement, c'est ce roman qui est fortement inspiré du Seigneur des Anneaux, et où en fait la carte, on va dire, qu'on trouve sur la première double page, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais il y a peut-être 5 lieux, 5 ou 6 lieux. Donc c'était en fait le but de ma question, c'est de savoir pourquoi en fantasy on est tellement attaché finalement à l'objet carte, parce qu'il suffit qu'on aille en convention ou ce genre de choses, on vend beaucoup de cartes, c'est beau, on est tous d'accord là-dessus, mais l'utilité, elle reste encore, si elle est bien faite, elle est certaine, si elle est juste pour dire, regarde, j'écris de la fantasy, j'ai fait une carte, oui, mais... Et la deuxième partie de la question, c'est pourquoi justement en science-fiction, on n'a pas cet objet, ou alors beaucoup moins présent. C'est-à-dire, quand je pense science-fiction, l'univers avec la carte qui me vient tout de suite en tête, c'est celui de Warhammer 40 000, où il y a toute une carte de l'Imperium qui est très bien recensée, etc. Mais j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, alors qu'en fantasy, tout de suite, carte, sortie de Tolkien, chaque grande saga a sa carte qui en plus devient des produits dérivés. Je pense que les cartes de Westeros, on en trouve partout, il suffit d'aller au Fury du Nord, ça se vend. Donc pourquoi il n'y en a pas en science-fiction en fait? Et là, personne ne pourra me répondre. Pas de peur dans les séries. La voyage technique peut-être. Je pense que la cartographie, et ça en science-fiction, ce serait plutôt cartographier l'espace, cartographier l'univers en trois dimensions. C'est beaucoup plus compliqué, je pense, pour un auteur que peut-être cartographier un lieu, une terre. Même sans cartographier en trois dimensions, on peut avoir des cartes du système solaire juste à plat. Oui. L'exemple que je prenais de la carte de l'univers de Games Workshop, elle est vraiment très complète. Et en fait, il y a aussi une histoire qui fait que c'est inspiré d'un univers de fantasy, mais la question des moyens techniques... Est-ce que c'est parce que les héros ont un GPS, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de cartes? C'est ça? Bah oui, par exemple. Je crois que c'est aussi rapport aux distances, vu que quand on parle de cartographie de fiction, on parle d'années-lumière, donc c'est des distances qui vont être tellement folles qu'on ne pourrait pas cartographier. On n'a pas tellement besoin de savoir où sont voilà. Les trucs les uns par rapport aux autres. Ouais. Peut-être que ça ferait une carte moche. On verrait que des petits points sur les planètes. Moi, j'ai une belle carte de Star Wars, de l'univers de Star Wars, avec il y a des centaines de planètes, et alors qui sont organisées par un cercle concentrique comme ça. Mais voilà, ça n'apporte rien à la compréhension de la saga et même de l'univers étendu. C'est quelque chose, c'est un outil de visualisation agréable. En fantasy, c'est quand même plus utile. Même quand il n'y a que quelques lieux, quand il n'y a que quelques lieux, c'est pour dire je fais de la fantaisie, et vous avez vu Tolkien en a fait moi aussi. C'est vrai, hein, c'est une vraie utilité. Alors qu'en science-fiction, comme ça n'a pas été fait, cet objectif-là n'existe pas. Il n'y a pas l'objectif de repérage géographique
au sein d'un monde. Donc effectivement, l'intérêt de la carte tombe largement. Le seul qui reste, c'est la beauté des planètes. Ce qui n'est déjà pas rien. Et je pense que du coup, la différence entre une carte de fantasy et une carte de... on va dire une carte de galaxie pour la science-fiction, c'est que je vais montrer une carte de fantasy à quelqu'un d'un univers fantastique, même s'il n'y connaît rien, je vais lui dire, à ton avis, où est-ce qu'il fait le plus froid? Et il va me montrer le nord. Voilà. Ce qui est déjà pas pratique selon la direction où on est tourné. C'est très... on va peut-être finir par verser des droits d'auteur à Alexandre Astier, je pense. Mais je n'ai pas besoin de cette... comment je vais dire, cette connaissance commune de au nord il fait froid, au sud il fait chaud, pour créer des mondes dans un univers de science-fiction. C'est un des reproches que moi j'ai personnellement avec Star Wars, c'est qu'ils ont une planète de glace, une planète où il fait chaud, une planète où ça va être que des marécages, une planète où ça va être que de la forêt, et voilà. Et j'ai pas besoin de dire que la planète où il fait froid, elle est au nord, parce que du coup ça n'a aucun intérêt. Alors là où ça reviendrait intéressant, c'est sur ce qui s'appelle les planètes opéra, par exemple Dune, où, quand ça se déroule entièrement sur une planète unique et qu'il y a des trajets qui sont organisés dedans, et là effectivement on constate que ça n'existe pas. Vous avez des contre-exemples ou pas? Ou les Burrows, les Périlandra, c'est des vieux romans d'aventure qui se déroulent sur une espèce de pseudo-planète Mars, avec des populations diverses de martiens, rouges, verts, etc., qui s'affrontent. Il n'y a pas de carte pour ça. C'est le carré de Mars et de la carte. Ouais. Il n'y a pas de carte. Mais à contrario, si je prends par exemple le site de fondation, qui se passe sur différentes planètes, etc., avec toute une histoire de plus on s'éloigne de la planète centrale et plus il se passe des choses, il n'y a pas de carte. Et dans ce cas présent, alors c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, je ne sais pas, mais ça aurait été utile, je pense. J'imagine que je ne dois pas être le seul à le penser, ou je vais avoir des problèmes de repérage dans l'espace. Mais d'avoir une carte de sur telle planète, on est à tel endroit, etc. Ça aurait massivement spoilé Fondation, dont une des grandes bases repose sur la phrase à l'autre bout de la galaxie. En fait, il y a un truc à comprendre, mais donc je ne vous dis pas. Si vous voulez lire, ils sont disponibles à l'étage aussi. Ce qui m'amène à une question beaucoup plus générale, en fait. Là, c'est le côté prof qui va ressortir. C'est une question que j'aborde avec mes élèves et j'aurais bien aimé avoir l'avis de professionnel, donc quel que soit. Dans le programme de français que je dois faire avec les élèves de première, il y a une problématique de séquence qui est le lecteur de littérature de l'imaginaire fuit-il la réalité? Et en fait, c'est la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi, de votre point de vue, il faut lire des littératures de l'imaginaire? Tout à l'heure, Émilie disait que l'imaginaire nous parlait du réel, enfin, vous disiez tous plus ou moins ça, enfin, que tu as envie de retrouver des problématiques qui touchent le lecteur contemporain tout en écrivant de l'imaginaire. Et je pense que c'est une préoccupation qu'ont vraiment majoritairement les auteurs. Donc non, la littérature de l'imaginaire ne fait pas fuir le quotidien, elle y fait revenir avec un regard différent. C'est Tolkien qui dit ça, qui appelle ça le recouvrement. Une fois qu'on s'est évadé, d'abord il dit que s'évader c'est bien, parce que s'évader, quand on est prisonnier, on ne va pas reprocher à quelqu'un qui est prisonnier d'essayer de s'évader dans la vie réelle. Il a tout intérêt à le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on reproche ça à un lecteur qui lui aussi refuse le monde tel qu'il est? D'une part, ce refus n'est pas complètement à repousser en tant que tel. Il y a plein de choses dans le monde contemporain qu'on peut avoir envie de fuir, qu'on peut avoir envie de refuser à juste titre. Et on peut trouver dans les littératures de l'imaginaire des solutions pour nourrir ce refus et pour nourrir nos idées d'autres, nos désirs d'autres choses. Donc l'évasion d'une part, et puis ce que dit Tolkien, c'est qu'on revient, et quand on revient dans notre monde, on le regarde différemment. Notre perspective a un petit peu changé, c'est aussi le pas de côté
qu'utilisait Pierre Bottero, l'auteur des Willan, qui a changé la vie de beaucoup de jeunes Français. Et donc il y a cette idée de se décaler par rapport à ce qu'on tient pour acquis, à nos normes habituelles, et c'est ça que permettent les littératures de l'imaginaire. Oui, je pense que, au contraire, la littérature de l'imaginaire, c'est vraiment un des seuls genres où tu peux aborder plein de thématiques de société, plein de thématiques d'actualité. Donc je pense pas que les lecteurs de l'imaginaire fuient la réalité ou le quotidien. Je pense au contraire que c'est ceux qui sont le plus concernés. C'est assez étrange qu'on dise pas la même chose de la romance, par exemple, alors qu'on retrouve des situations complètement, complètement dingues. Complètement dingue, avec une crédibilité qui est proche du zéro absolu parfois, et qui est complètement hors de la réalité, alors que typiquement, cette littérature-là, on ne va pas dire aux lecteurs de romances, ben, vous fuyez la réalité. Bon, si, on le dit, si. Et c'est un genre qui est très dévalorisé, parce qu'il est très féminin, alors que les genres de l'imaginaire sont au moins un peu mixtes, alors que la romance, globalement, c'est que des femmes, et alors on leur dit vraiment... c'est... Après, il y a la bitlite qui mélange les deux. Ouais, c'est vrai. Voilà mes objectifs quand j'ai écrit cette trilogie, c'était le temps des hommes s'arrêtait, le temps des hommes se terminait, le temps des héros se terminait, mais devait laisser place peu à peu au temps des femmes. Alors, c'était pas du tout, il n'y avait pas de militantisme féministe forcément clairement avéré, mais ça m'a paru nettement plus intéressant, égoïstement d'un point de vue auteur, de faire arriver de plus en plus de femmes en tant que personnages, parce que c'est beaucoup plus intéressant en écriture de créer une méchante qu'un méchant. C'est beaucoup plus difficile de faire peur avec une petite fille qui ressemble à une poupée de porcelaine qu'avec un gros monstre de viking. Voilà. Donc, égoïstement, j'insiste bien, il y avait, même si à la fin, les romans sont finalement un plaidoyer pour les femmes de pouvoir, hein, à la fin, il n'y a plus que des femmes, mais moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma démarche d'écriture, parce que c'était la fantaisie me permettait justement, enfin, de faire apparaître des personnages qui sont sous-exploités. La littérature du Moyen-Âge, la vraie, c'est particulièrement misogyne, enfin, d'accord que les femmes n'ont pas un rôle particulièrement important, sauf quelques fées qui sont des femmes intelligentes, comme ça, voilà, mais rien de plus, c'est vraiment la part congrue, et c'est en cela que c'est différent de la vraie vie, parce que au quotidien je ne vois pas cette égalité, ni ces femmes en permanence au pouvoir, et je me dis que pour le lecteur, oui, il en revient dans le vrai monde, en te disant, bah voilà, possible quand même d'avoir peut-être un peu plus, là c'est un problème contemporain, loin d'être drôle, hein. Alors, on parle de l'égalité homme-femme, mais la fantaisie peut soulever des problèmes de société, problèmes politiques qui sont d'actualité, et puis finalement sous le vernis de l'imaginaire on a des réponses sérieuses, en tout cas des propositions sérieuses. Je ne sais pas si j'ai dit. Pour en revenir sur cette question de base, est-ce qu'on fuit la réalité dans les mondes imaginaires? Je pense qu'un pays imaginaire peut justement permettre de parler d'un vrai pays. Je pense, alors c'est pas du tout en référence avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, je pense à Tintin et la Bordurie, ou dans les comics, la Latvérie, tous ces pays d'Est qui sont toujours plus ou moins en guerre, etc., qui ont été abordés par des tas d'auteurs, mais qui en changeant juste un nom, en fait, permettait de parler plus de la réalité que ce que la censure aurait pu permettre à une époque, en fait. C'est ça, ça pas être prof. Quand on pourrait être prof, je me retrouve avec les écoles. Et oui, non, bah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure aussi sur. Là, je vous rejoins tous, hein, sur les thématiques, hein, parce que voilà, c'est pas parce que c'est de la littérature d'imaginaire qu'on ne peut pas aborder pas des questions comme, je sais pas, l'exploitation des ressources naturelles ou en jeunesse, le harcèlement scolaire, enfin des problématiques, voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, je vois un peu la lecture d'un roman fantasy ou imaginaire en général, c'est un peu comme un mouvement où tu peux avoir l'impression de t'éloigner au départ, mais finalement, ça te revient. Et là, ça te revient avec, du coup, de nouvelles idées, le pas de côté évoqué précédemment, etc., et de nouvelles armes, entre guillemets, pour faire face à la situation. Et c'est pour ça aussi que l'imaginaire, il se renouvelle. On disait qu'il était... Voilà.
sclérosé. On constatait qu'il tournait toujours un peu autour des mêmes choses. Et le mythe arthurien en est un très bon exemple. Il se renouvelle parce qu'il parle, il est toujours écrit par des auteurs d'aujourd'hui, pour des lecteurs d'aujourd'hui. Et donc il parle toujours de son époque. Et par exemple, dans le mythe arthurien, les femmes, effectivement, ou les anciens méchants, se sont fait une place centrale. C'est des personnages qui étaient à la marge et qui sont revenus au centre. Où effectivement les problématiques de genre, tout ce qui est écologie, qui est très 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 important pour les mondes de fantasy, qui sont toujours des mondes naturels, préservés, où se pose la question de l'industrialisation qui débute et qui en général est refusée et vue comme le mal. Enfin, ouais, y a vraiment plein de nouvelles thématiques, hein, ou les thématiques postcoloniales, le fait d'accueillir beaucoup plus la diversité, de représenter les points de vue des anciens méchants, voilà, des personnages qui auparavant s'affrontaient. Tout ça, c'est des nouveautés depuis une vingtaine d'années en fantasy, qui font que le genre, tout en travaillant toujours les mêmes mythes de départ, les mêmes mythes, les mêmes archétypes, hein, ne dit plus du tout la même chose. Et donc cette évasion qui procure est vraiment toujours liée à notre quotidien et nous permet d'y revenir. Mais qu'est-ce qui, dans un sens, peut expliquer qu'aujourd'hui, ce soit devenu, on va dire, mainstream un petit peu, la fantasy ? Longtemps, ça a été quand c'était le genre de littérature, on va dire, pour un peu les marginaux, les geeks, etc. Et aujourd'hui, on a, depuis le début des années 2000, j'irais une explosion, on va dire, des sous-genres et une multiplication sur les médias aussi. Je pense par exemple au Trône de Fer, ce genre de choses. Qu'est-ce qui, dans la conception de la fantasy, explique à ce moment-là, il y a eu une explosion des projets fantasy, on organise des tables rondes dans les lieux publics, des choses qui se faisaient très peu il y a encore quelques dizaines d'années. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, ou alors c'est justement le fait que ça se... J'aurais dit le Seigneur des Anneaux, mais... Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, en même temps, à la fin des années 90, et du coup, tout le monde connaît, tout le monde aime ou non. Oui, le film Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter en même temps. Pourquoi ces sagas-là et pas, par exemple, quelque chose qui est sorti, La Belle Guerrière, par exemple, qui aurait pu être adapté Il n'y avait pas vraiment les moyens technologiques à l'époque, mais on s'éloigne. Mais effectivement, voilà. Les Donjons et Dragons qui avaient été très ratés. Les films de fantasy des années 80 et 90 sont vraiment difficiles à regarder parce que les effets spéciaux ne permettaient pas un bon rendu. Ouais. De cet imaginaire qui est facilement kitsch, il faut bien l'avouer. Moi, je pense que c'est, si tu veux vraiment une explication par l'époque, c'est lié à la pénétration d'Internet dans les foyers qui se fait exactement au même moment, l'arrivée de la... L'ADSL à la fin des années 90 qui vient remplacer les vieux modems qui eux-mêmes n'étaient pas si vieux que ça. Mais voilà, ça se produit vraiment à ce moment-là. Et du coup, une ouverture sans commune mesure sur des œuvres antérieures, sur des techniques, les jeux vidéo qui entrent dans notre... La génération geek a aussi poussé aussi quand les jeux de rôle sont arrivés aussi en masse. Chez les joueurs, ça a dû pousser un petit peu les fonds. En fait, on a découvert tout ça au moment d'Internet. Ouais. Vous voyez bien ça avec Back in Planet, qui s'est un peu créé à ce moment-là, et qui, forte de son expérience antérieure, c'est-à-dire vous connaissiez tout ça, vous l'aviez déjà lu, etc. Mais c'est à ce moment-là que vous avez pu commencer à le diffuser, à en parler autour de vous, et à voir que ça intéressait toujours plus de monde. Et plus vous en parlez, plus ça intéresse le monde. Je me suis fait d'apporter du film Final Fantasy, le film, qui est un des premiers héroïques. Enfin, ouais, c'est héroïque fantasy, pas vraiment, mais... Je vais finir par une question que j'aime bien poser, mais que je sais auquel on n'aime pas répondre généralement. C'est, imaginons que quelqu'un dans la salle vienne d'arriver, découvre la fantasy, s'il fallait lui conseiller un livre par lequel commencer, qui n'est ni Harry Potter, ni Le Seigneur des Anneaux. Voilà.
Et de préférence, pas un ouvrage que vous avez écrit. Bah Emmanuel, vas-y, allez. Un seul ouvrage qui te dégoûte pas du genre. Bah, ça serait... Pas l'épée de Chenard. Non, mais voilà. Voilà. C'est la question piège. Hein. C'est ça. Ça peut être en cycle. Impossible. Ah, bah, ça dit un livre, hein, c'est ça, par contre. Un livre, par contre. Un livre ou un cycle. Oui, enfin, je veux dire un truc écrit. Quoi. Sinon, j'aurais dit Princesse Mononoké. Mais... Un film à la rigueur. C'est, oui. C'est pas un livre. Ça passe. Oh, bah voilà, c'est bon. Je me prends en cycle. Cette personne hypothétique, adulte ou adolescent? Franchement, comme tu veux, c'est déjà assez compliqué, je pense. Conan. Les nouvelles de Robert Howard à Dark Fantasy. C'est un adulte. C'est un adulte et il écoute du métal. Et il est venu en moto. Ouais. Bah Bertrand, justement, vas-y. Non, ben, moi je donnerais un pré-fantasy. L'Odyssée. Déjà parce que on a tous les éléments de la fantasy. Alors, on peut pas dire l'Odyssée d'Homère, c'est de la fantasy, mais un long voyage, de la magie, une quête, très bien. Sinon du français, parce que voilà, on dit que ça marche bien. Oui, ça marche bien avec l'anglo-saxon. Moi, j'ai bossé en audiovisuel, ça marche bien en anglo-saxon. Par contre, dès qu'il s'agit de produire français, c'est compliqué. C'est bien beau d'avoir Game of Thrones partout. Les gens disent « Ah, j'aime pas la fantasy, mais j'aime bien Game of Thrones. » Super, les gars, mais t'aimes bien la fantasy, tu pourrais peut-être lire du français un peu. Donc, Jean-Philippe Jaworski, Jeanne Huavera, le recueil de nouvelles. Ah, mais c'est super, c'est facile à lire. Elles sont magnifiques. C'est la dentelle, c'est beau, c'est léger. C'est tout, je t'ai dit. Le français. Damasio, la horde du contrevent. Émilie. Alors là, bonne question. En général, quand on me demande un... Je ne vais pas forcément faire fantasy, je vais rester vraiment dans l'imaginaire. Moi, je dirais La Tour sombre de Stephen King. Alors après, ça ne va peut-être pas rassembler tout le monde, ça va peut-être dégoûter certaines personnes du genre, c'est vrai, mais ça, c'est vraiment ma référence à moi, quoi. Non, on ne parle pas du film, non, ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question en particulier? En fait, je voulais savoir, parce que vous aviez dit à un moment dans la ronde que l'éditeur pouvait vous demander d'écrire un livre d'une certaine manière. Mais du coup, est-ce que ça ne peut pas vous freiner par rapport à votre imaginaire si quelqu'un vous l'ordonne, enfin vous ordonne entre guillemets, d'écrire un livre d'une certaine manière, c'est pas comme vous vouliez qu'on fasse. Je sais pas si j'ai été très claire. En fait... Il peut arriver qu'un éditeur passe, enfin, ce qu'on appelle passe commande d'un livre, mais en général, ce qu'on fait, c'est un retravail sur l'histoire. Enfin, je vais parler de ma propre expérience. Moi, ce que je fais, c'est que on travaille ensemble avec l'auteur. Parfois, il y a des sujets que j'ai envie qu'il aborde dans son histoire, dans ce que je lui dis, mais c'est pas vraiment un carcan rigide où je vais dire à l'auteur, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que c'est important pour un auteur de garder une certaine liberté, une liberté d'écriture, une liberté dans les idées, dans la manière dont il va les présenter. Après, peut-être que mes collègues auteurs ont d'autres expériences sur la question, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Je me permets d'ajouter. C'est quoi ton prénom ? Sundus. Bonjour, moi, c'est Bertrand. Alors, tu vois, cette dame qui vient de répondre, en fait, c'est mon éditrice. Et donc, on a travaillé sur deux livres et encore d'autres. Donc, je suis auteur et pourtant... J'ai absolument besoin d'Émilie et aussi de Lorraine et d'autres personnes, des gens qui aident, qui retravaillent le texte avec moi. Et on est une équipe. C'est-à-dire que d'abord, tu crées ton histoire, c'est vrai, mais j'ai absolument besoin d'avoir un retour vraiment professionnel. Et parfois, il y a des retouches. Parfois, c'est juste cosmétique. Hein, j'ai pu laisser des coquilles, j'ai
petites fautes par-ci par-là, il y en a toujours, ça c'est normal. Parfois c'est, tiens, ta phrase est mal formulée, parfois c'est, non, cette information est trop vague, ou là, ta description est vraiment mal fichue, ça arrive, et parfois tu prends des retours violents. Mais il faut faire preuve d'humilité, te dire, bah oui, j'ai besoin du retour de quelqu'un. C'est vrai, quand tu as un livre en main, tu as bien le nom de l'auteur, mais il faut en fait imaginer que cet auteur, il y a une équipe derrière lui. Il y a des gens qui ont aidé, qui ont fait que ce texte est meilleur. Voilà. Il faut être humble, mais il faut savoir dire non aussi. Parfois, on fait des propositions. Tu devrais modifier. Je dis, ben non, là, je défends ma phrase, je défends mon paragraphe, je défends un caractère du personnage. Et parfois, il faut aussi accepter, dire, ouais, c'est vrai, effectivement, là, j'ai manqué de recul, on peut l'améliorer. Donc, c'est un travail d'équipe. Mais il n'y a pas un méchant éditeur et un pauvre auteur. Enfin, ça, c'est un, voilà, ça marche bien dans les films, mais en vrai, non. Non, après, il peut y avoir aussi des méchants auteurs. Mais après, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est toujours un contrat. Donc à partir de là, il faut aussi savoir dans quoi on met les pieds. Hein, dans le sens où, il peut y avoir des vrais romans de commande, mais ça, c'est plus pour les auteurs américains qui vont œuvrer dans du Star Wars ou du Donjons et Dragons. Enfin, Royaume aux oubliés. Si, Royaume aux oubliés. Et puis, bon, après, souvent, là, dans le cas présent, ça peut arriver que. En général, on soumette un livre qu'on a déjà de toute façon écrit. Donc après, effectivement, on va le retravailler, il y aura des retouches. Ou c'est vrai qu'on peut aussi signer sur synopsis, ce qui est souvent plus rare, mais ça peut se faire aussi. Et là, en gros, on a présenté à l'éditeur un résumé de l'histoire, simplement, en deux pages. Et souvent, même si c'est avec la meilleure volonté du monde, le résumé qu'on a présenté, entre le résumé et ce qu'on va écrire au final, il y a eu beaucoup de changements. Donc voilà, je pense que les éditeurs aussi font quand même souvent preuve de souplesse. Et bon, il faut aussi la part des choses et voilà, accepte quand même assez fréquemment les changements. Après, c'est sûr que si arriver à telle taille de roman, ça fait passer le roman de, mettons, 22 € à 25, bah, c'est vrai que ça peut entraîner des discussions parce que, mine de rien, voilà, c'est le faut quand même tenir compte aussi des réalités économiques du marché. Merci. Et juste par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que par rapport aux cartes, c'était pas forcément utile et chacun avait dit par rapport à pour lui si c'était bien utile ou pas. Moi je trouve que c'est utile parce que si on met pas de cartes, il peut y avoir des quiproquos. Surtout quand dans la fantasy, il y a la notion de voyage qui est très présente. Du coup, on peut, si l'auteur dit je vais dans cet endroit-là, on peut ne pas comprendre. On peut dire c'est au sud alors qu'en fait c'est à l'ouest. Et en fait, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous pensez pas comme ça. C'est pas une critique. Non, mais c'est vrai, effectivement. Après, bon, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de carte, c'est aussi à l'auteur, après, de faire l'effort, justement, d'être, on va dire, suffisamment explicite et suffisamment clair pour que le lecteur puisse se passer de carte. Si, je pense que, voilà, c'est là aussi, il ne faut pas que la carte devienne une béquille, en fait, pour faciliter. Il faut que ce soit clair tout de suite, en fait. Enfin, pour moi, s'il faut retourner voir la carte au début ou à la fin pour être bien sûr d'avoir compris, c'est qu'il y a peut-être un problème de clarté du propos. Mais après, encore une fois, les cartes, c'est... Je suis pas anti-carte. Non, mais ça fait très jolis objets de décoration, là, on l'a dit, dans un bureau ou dans son salon. D'ailleurs, mon tapis de souris est la carte de Westeros. Je sais pas pourquoi je ne respecte même pas ce que je dis. Voilà. Mais non, je comprends. Mais après, je pense que c'est à l'auteur d'arriver. S'il doit s'en passer, c'est à lui de faire l'effort de rendre son propos suffisamment clair pour que si les gens vont au sud, on ne comprenne pas qu'ils vont à l'ouest. Effectivement. Vous êtes fan des Dark Souls, vous, non? Je serais fan si j'étais pas aussi mauvais. Mais, parce qu'il n'y a pas de carte, justement, dans les Souls. Mais bon, c'est oui. On peut dire je préfère Bloodborne, mais... C'est pareil aussi, après. Oui, non, effectivement. Mais oui, voilà, moi ça me dérange pas d'explorer vraiment un univers à tâtons, on va dire. Ouais. C'est bon. Bonjour, alors merci d'abord pour cet échange entre vous très intéressant, notamment autour des notions de transport à deux cartes, qui sont des questions que les auteurs ne se pensent pas forcément toujours. Enfin, c'est des fois ce qu'on a l'impression quand on lit leur livre. Il y a des notions très intéressantes sur le voyage qui ont été soulevées. Normalement, le voyage intérieur, un peu en filigrane, on a parlé du monolithe. Moi, je reprendrai l'exemple de cette caverne dans Dagobah qui est vraiment quelques pas, mais qui est très important pour un voyage intérieur. Et je voudrais vous questionner sur la notion un peu de
voyage immobile, est-ce que vous pensez qu'on peut... Il y a des gens qui ont ça en mode dévisagé. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de voyage immobile dans une œuvre de fantasy, par exemple, ou peut-être plus facilement de voyage huis clos? Alors là, tout est un huis clos. Mais... Vous avez 2 heures. Mais je suis déjà parti, en fait. C'est un voyage immobile. Non, mais oui, ça va surprendre quoi. Parfois, il n'y a pas besoin de faire de longs trajets pour avoir une révélation, ou parfois, c'est un interstice dans le déchireur, dans ce qu'on veut, et le personnage va changer, revient au même point. Ça peut être nécessaire, s'il y a une révélation, un aboutissement, une chose qui est trop dure à assumer et qu'on finalement on va accepter. Oui, mais ça, c'est pas propre à la fantasy. Enfin, dans de nombreuses littératures, montrent des personnages face à leurs propres incohérences, leurs propres faiblesses, et ont besoin d'un dérivé. Là, par contre, si on parle de voyage immobilier, si on prend par exemple Henri Michaud, pas de bêtises, un poète, hein, qui se droguait à fond pour... Bien entendu. Non, mais ils sont fous, ils ont fait des tests, tout genre, mais cette... trouver ce troisième œil, trouver cette vérité intérieure cachée, ou parfois pour cacher sa peine, avait besoin de découvrir en soi. Michaud est un grand voyageur aussi dans ses écrits. Donc c'est pas spécifique à la fantasy, ni à la SF, ni... C'est intéressant. Oui, c'est même plutôt pas spécifique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va être plus exploré dans d'autres genres qui visent moins aux grands espaces, etc. Il y a un exemple qui me vient, c'est un roman de Jack London, bizarrement, qui s'appelle Star Rover, je ne sais pas si c'est traduit, Le Voyageur des Étoiles. Le Voyageur des Étoiles, et alors c'est le point de départ, c'est un gars qui est dans une prison et qui est soumis à une forme de restriction très très forte qu'ils avaient à l'époque et que Jack London, qui était un auteur engagé, voulait dénoncer. Il les mettait dans des camisoles de force. Donc le gars, il est dans une camisole de force et dans une prison, et donc il s'évade vraiment par la pensée, et il va donc faire des voyages qui sont des espèces de transe ou de réincarnation. J'y pense à cause de Conan, parce que c'est considéré comme une des sources, Patrice Louinet en parle comme une des sources ça a été lu par l'auteur de Conan. Mais sinon, c'est vrai qu'on a, c'est assez rare qu'on ait comme ça un point de départ où le personnage est complètement immobile et il s'évade par la pensée. Mais voilà, ça peut être un point de départ de scénario. Ouais, le rêve, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des rapports très intéressants entre fantasy et onirisme. Je pense par exemple à un jeu de rôle qui s'appelle Rêve de Dragon, dans lequel il y a tout un jeu sur vous êtes en fait vous jouez dans des rêves et vous pouvez vous avez conscience de cette matérialité, mais vous devez faire attention parce que si vous la modifiez trop, en fait le dragon se réveille, c'est la fin de la partie, vous pouvez plus, en fait vous êtes réveillé. Un jeu de plateau, un jeu de rôle réédité l'an dernier, réédité en internet. Oui, du coup, ça recoupe toute l'idée des réalités factices, des réalités illusoires qu'on a dans Matrix ou dans Philip K. Dick. L'idée que, en fait, on est en train de rêver ou on est en train d'être sucé par des vampires mentaux. L'aventure qu'on vit n'a lieu que dans nos têtes. En fait, je me demandais par hasard, est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré J.K. Rowling? Non, j'ai croisé George Martin. D'accord, merci. Petite question. En fait, j'avais une question, c'est par rapport à la popularité des livres. Justement, comment est-ce qu'on fait pour qu'un livre soit plus populaire qu'un autre? Alors ça dépend d'un ensemble de facteurs qui nous dépassent, hein, mais c'est clair que l'importance de l'éditeur qui va pouvoir faire de la communication, de la diffusion, de la pub, c'est important. Les adaptations
une fois que le livre est devenu connu, quand il est adapté sur un autre média, quand il devient une série télé ou quand il devient un film, sa popularité explose, parce qu'il y a relativement peu de lecteurs, mais il y a beaucoup plus de gens qui regardent des films. Et puis plus un livre est connu, plus il est au départ un petit peu connu, puis ça fait comme une boule de neige de bouche à oreille. Tu as aimé tel livre que tu as lu, tu vas le conseiller autour de toi, et progressivement ça va. Donc, ça permet aussi à des livres qui au départ ont des petits éditeurs ou n'ont pas une grosse diffusion ou pas une grosse publicité, de devenir connus quand même de manière plus progressive. Parce que moi, j'ai déjà lu des livres très intéressants, mais ils sont pas connus du tout. Je trouve que c'est dommage. Il faut en parler autour de toi. Et tu poses une vraie question intéressante pour les auteurs. Si on n'arrive pas à être connu, on n'arrive pas à être reconnu par les autres éditeurs, pour les lecteurs, on a plus de mal à pouvoir voir nos autres livres édités. Donc on a tout intérêt à être connu, pour gagner plein d'argent. Ça n'arrive pas, mais en tout cas, pour avoir un peu plus de chance, ici aujourd'hui, on est tous là pour le plaisir de vous rencontrer, de parler de ce qu'on aime, de ce qu'on fait. Alors, on est là en tant qu'auteur, on essaie d'être sur le terrain, on fait des salons aussi. Parfois, avant d'être passé au cinéma, il y a des traductions. Parfois, les livres vont à l'étranger et sont traduits. Et ça coûte cher. Donc, c'est aux éditeurs aussi de voir ce qu'ils peuvent faire ou pas. C'est un ensemble de personnes. Et les lecteurs sont. Il y a tout l'aspect de la fanfiction aussi, je pense notamment à Harry Potter, donc tu as les adaptations cinématographiques, mais le fait que l'univers soit ouvert, enfin que l'autrice soit ouverte au fait que les fans fassent de la fanfiction, ça a aidé à promouvoir l'univers et à le garder vivant, entre guillemets. Oui, mais pour qu'il y ait de la fanfiction, il faut déjà que le livre soit connu. Ah oui. C'était aussi par rapport aux maisons d'édition. Comment ça se fait que des fois, un livre, il a plusieurs maisons d'édition ? C'est quand il est réédité en poche, tu veux dire ? D'abord, il est en grand format, avec une couverture un peu cartonnée. Donne un exemple. Je ne sais pas. Je veux dire, parce que des fois, on va avoir le même livre, mais il ne va pas y avoir la même page, la même couverture. C'est des rééditions. C'est des livres qui ont eu du succès, et que du coup, soit ils passent en livre de poche, par exemple, et donc ils sont moins chers, soit la première édition est épuisée et du coup on en refait une autre. Pour Harry Potter, on en a déjà il y a plein de couvertures disponibles parce que c'est un énorme succès. Et puis il y a les livres anciens, par exemple les Balzac ou etc., qui eux ils sont disponibles pour que tous les éditeurs puissent les éditer s'ils veulent. Il n'y a plus de droits dessus, ils sont libres de droits et donc du coup pour eux tu les trouves chez tous les éditeurs. Donc soit c'est des livres anciens, soit c'est des livres qui ont eu du succès, et du coup c'est plusieurs éditions successives. Et évidemment, ça permet qu'ils aient plus de succès, mais c'est déjà un signe de leur premier succès. D'accord ? Donc c'est à chaque fois, c'est la même chose, c'est la boule de neige, c'est le succès entraîne le succès. Ouais. Le succès est pérennisé. Alors j'aimerais savoir si parmi vous il y a des amateurs de dark fantasy, parce que j'aimerais m'y mettre. Et donc j'ai entendu parler de quelques œuvres, j'aimerais avoir votre avis. Donc j'ai entendu parler de Requiem, qui est une BD, je crois, américaine ou française, je ne sais plus, canadienne. Française. Ouais. C'est Froidval. Ouais. Et aussi de Berserk, ce que vous en pensez. C'est juste une perfection. J'ai mis des années à me mettre dedans et quand je suis tombé dedans, je me dis pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Après, un cran quand même en dessous de Berserk, si vous voulez rester sur le manga, il y a Hubelblatt, dont 24 tomes, je pense, le dernier vient de sortir. Je n'ai pas encore. Mais, Hubelblatt. C'est d'allemand. Hubelblatt, je vois. La lame noire ou quelque chose comme ça. Et après, en roman dark fantasy, moi, ma référence, ça reste Robert Howard et Conan, qui ont été réécrits, terminés par d'autres auteurs, etc. Et qui gardent toujours ce côté pulp, littérature de gare, mais bien bourrin. Si je peux t'en conseiller un aussi en cycle, c'est La Compagnie Noire de Glenn Cook, qui est, je pense, on tombera peut-être tous d'accord dessus,
la référence en littérature dark fantasy. En fait, tu suis une troupe de mercenaires, mais vraiment dans un univers. Et comme tu es à la place du, qu'on disait tout à l'heure, de Monsieur Tout-le-Monde, et tu as juste ta lance et ton épée, tu es confronté à des choses, et c'est un cycle qui est très intéressant à lire, qui est disponible ici en plus. La Compagnie Noire, les annales de la Compagnie Noire. Il y a aussi à ce moment-là les instrumentalités de la nuit, mais comme le cycle n'est pas terminé, du même auteur, mais c'est plus difficile à conseiller. Je suis d'accord avec Berserk, sauf que, enfin Berserk, je trouve quand même ça ralentit, enfin ça piétine au bout d'un moment quand même. C'est tellement beau ce manga dessiné. Oui, oui, d'accord, mais je trouvais, enfin ça reste un de mes mangas préférés, hein, mais c'est vrai que j'avais trouvé quand même sur, quand tu dépasses les 30 tomes en général, c'est difficile de. Bon, ça reste une. Ah, oui, bien sûr, bah, c'est une référence. Mais après, ouais, en Dark Fantasy, faut voir aussi ce qu'on y met. Hein, mais Glenn Cook, ouais, évidemment. Je sais pas si on pourrait mettre Abercrombie. Mais, éventuellement, bon, à la marge, c'est sur le cité. Mais ouais, bah, sinon, oui. Mais c'est un sous-genre. Hein. C'est un sous-genre quand même très, très, très riche, mais. Là aussi, il ne faut pas avoir peur de trouver des titres qui, finalement, comme ils restent dans la même mouvance, au bout d'un moment, voilà. Mieux alterner, je pense, parce que sinon, ça peut devenir un peu répétitif. Ouais. Désolée, je reprends le micro. En fait, je voulais savoir, moi, plus tard, j'aimerais bien devenir auteur de fantasy. Et j'aime bien les gros livres, en fait. Et je voulais savoir, pour vous qui êtes auteur et qui avez dit que les gros livres, ça ne fonctionnait pas forcément, vous faites comment? Parce que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Les gens en général n'aiment pas lire. Et du coup, si on doit s'adapter à eux et à leurs envies de lecture et la taille de leurs livres, je trouve qu'on ne respecte pas forcément ce que nous on aime. Et c'est quand même important pour un auteur, non? Là-dessus, je pense que chaque livre, chaque roman qu'on peut écrire, il a son public. Donc. Que tu écrives un roman de 2000 pages, etc., il y aura des gens sur Terre qui voudront lire. Après, le système des maisons d'édition fait que le roman, ils voudront peut-être le couper en deux ou trois parties, s'ils s'y prêtent, pour pouvoir mieux le vendre, on va dire. Parce que je pense que, on va pas me contredire, les éditeurs sont quand même des amoureux du livre, mais qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et qu'il faut quand même quelque chose pour payer les factures à la fin du mois, malheureusement. Et que ce sont des amoureux du livre, mais ils ont, on va dire, le recul nécessaire et l'expertise nécessaire pour savoir si le roman peut être publié tel qu'il est publié. Après, je veux dire, si, et je te le souhaite, si un jour tu te retrouves face à une maison d'édition, face à un éditeur ou une éditrice qui dit bah, écoutez, on va sortir votre roman, mademoiselle. Par contre, le personnage qui vous tue à la fin, il faut plus le tuer. Et que là, tu dis non, là, tu seras totalement dans ton droit. Mais on va dire que tout ce qui est. Que pour moi, tout ce qui est marketing, tout ce qui est. Comment est-ce que le livre va être vendu, je ne me considère pas expert dans ces domaines-là, donc je laisse mon éditrice décider. En fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Surtout, ne pense pas à ça en fait. Tu commences, tu écris comme tu veux ton histoire. Ça détaille. C'est déjà un énorme travail, un énorme chantier, de fou de se lancer dans l'écriture d'un livre. Ne commence pas à dire oui, mais comment ça va être perçu? Est-ce que je vais savoir le placer? Pour quel type de lectorat? Attention, nombre de pages, nombre de caractères. Non, parce que ça va juste dessécher ta pensée et ton talent. D'accord? Ton boulot, c'est juste de faire ce que tu as envie d'écrire. Une belle histoire cohérente. Et après seulement, tu auras le temps d'adapter s'il le faut, faire des concessions s'il le faut ou pas. Mais commence pas à te brimer en disant oh, attention, je n'irai pas dans cette direction-là parce que ça ne plaira pas à tel type de public. Sinon, tu n'écriras pas une bonne histoire. Tu écriras une histoire qui voudra plaire à tout le monde, mais pas à toi. D'abord, toi, ton premier lecteur. Et puis, il ne faut pas oublier que même si le but de l'éditeur, c'est effectivement de vendre des livres, c'est quand même un métier qui repose aussi sur le coup de cœur. Donc il suffit que l'éditeur ait un coup de cœur pour ton texte, peu importe sa taille, à ce moment-là, ça ne sera pas un frein. Donc faut pas. C'est vrai que j'ai peut-être eu tendance à noircir un peu le tableau, mais il ne faut pas non plus oublier que ça reste
ça reste le rapport entre l'éditeur qui va lire ton texte, le découvrir et potentiellement le voilà vraiment bah, tomber amoureux de l'histoire. Et dans ce cas-là, bah, je pense qu'à moins que la maison soit au bord de la faillite, ils arriveront toujours à trouver une solution pour éditer le livre tel qu'il a été conçu. Oui, et puis comme dit Bertrand, le plus important, c'est vraiment de prendre du plaisir à écrire et de rester dans ton histoire et de la développer comme toi tu l'entends, comme toi tu as envie de la développer. Après, il y a tout l'aspect relecture, tout l'aspect correction qui va rentrer en jeu, mais ça se ressent, je trouve, quand un auteur écrit, comme tu disais tout à l'heure, à la commande, donc en se mettant des contraintes lui-même et en se mettant des freins, je trouve que ça se ressent assez fort, et c'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment une rencontre. Enfin, nous, en tout cas, on travaille comme ça avec le comité de lecture chez Livresse. C'est vraiment des coups de cœur qu'on a pour les manuscrits qu'on découvre. On fonctionne par coups de cœur. Et du coup, tout ce qui se passe après, est-ce qu'on laisse le roman en un seul tome? Est-ce qu'on le divise? Est-ce qu'on sabre dans certaines descriptions parce qu'elles sont trop longues? Ça vient après. Donc, à l'étape vraiment de l'écriture, c'est pas des choses auxquelles il faut penser. Voilà. Mais du coup, c'est pas mieux de le faire pendant qu'on écrit plutôt qu'à la fin de faire par exemple des grandes descriptions comme vous venez de dire, et à la fin quand on donne à l'éditeur le livre, il nous dit faut enlever ça. Alors c'est sûr que c'est mieux de donner à l'éditeur un texte qui est le mieux écrit possible, le plus abouti, le mieux corrigé possible, mais il faut savoir qu'il y aura toujours un retravail. Ça, c'est un peu le travail. Un des travaux principaux de l'éditeur, c'est leur travail sur le livre, c'est essayer de le rendre meilleur, c'est essayer de, voilà, de le rendre meilleur, de l'affiner un petit peu. Et donc, du coup, il y aura toujours un retravail sur ton texte. Moi, en tout cas, enfin, je n'ai pas une longue expérience de plusieurs dizaines d'années, mais en 5 ans, ça n'est jamais arrivé qu'on tombe sur un texte et qu'on se dise « Ok, ce texte est parfait, on ne va pas y toucher ». Il y a toujours un retravail derrière qui se fait. Donc, tu peux avoir une réflexion d'essayer d'être le plus cohérente possible, d'avoir des personnages bien construits, avec une bonne psychologie. Tu peux penser à plein de choses comme ça. Mais les aspects vraiment techniques et terre-à-terre, entre guillemets, je pense pas qu'il faut les prendre en compte. Dès l'écriture. Et puis le premier roman, c'est que le premier roman. Si tu deviens écrivain, tu vas en écrire plein des romans. Et donc, voilà, le premier, il faut accepter aussi que ce soit un coup d'essai. Et que le premier contact avec l'éditeur va justement être ce qui te permettra de savoir là où c'est déjà maîtrisé et là où il y a encore du travail. Et c'est vrai que beaucoup d'éditeurs disent que les premiers romans, ils les reçoivent et souvent ils vont dire « Ok, c'est bien, est-ce que tu peux écrire un autre ?» parce que justement, ce qu'ils veulent repérer, c'est un auteur qui est capable de faire, qui n'est pas l'auteur d'un unique texte, et justement il teste aussi la capacité à rebondir à partir de parce qu'on est attaché à son texte, bien sûr on est très attaché, mais voilà la capacité à s'en détacher aussi. Merci pour vos réponses. Tu parles de l'envoyer dans les maisons d'édition, mais quand tu l'auras écrit, déjà toi tu vas le relire. Tu vas peut-être le faire lire à des amis, à la famille. Peut-être que tu vas découvrir ce que souvent les bêta-lecteurs, qui sont en fait des lecteurs test, à qui tu montres ton texte et qui te donnent déjà leurs avis, et qui sont juste des gens comme ça, des anonymes que tu peux trouver sur Internet. Moi, j'en ai, c'est des gens, je ne les connais pas. Je les connais que par Internet. Et je leur envoie, là, celui sur lequel je suis en train de travailler, je leur envoie chapitre par chapitre. Et puis, de temps en temps, on envoie un petit mot pour dire ben, « c'est bien, là, il y a un truc que j'ai pas compris. » Et tout ça, ces gens-là, ça passe par eux avant même que je l'envoie à mon éditeur. Donc, même quand tu auras fini, quand tu auras fini ton roman, quand tu voudras le faire publier, techniquement, il y aura des gens qui l'auront lu avant mon éditeur. Est-ce qu'il y a une dernière question? Deux dernières questions, là. Bonjour, alors déjà merci d'avoir cité l'Orgue du Contrevent et Farscape dans la même discussion. Moi j'ai une question plus générale par rapport à la représentation à l'écran, voire même en BD. Est-ce que ça ne brime pas l'imaginaire?
Je prends des exemples. Maintenant, les gens qui lisent Tolkien, ils ont une représentation de Legolas, ils ont une représentation de Gimli. Et plus récemment, dans le contrevent, la BD, ils ont une représentation. Est-ce que ces représentations, ça ne devient pas une plaie pour l'imaginaire? Alors, le mot plaie est un petit peu exagéré, mais à raison. D'abord, vous n'êtes pas obligé de lire la BD. Moi, je ne l'ai pas lu. Si vous avez envie de préserver votre image, l'image que vous vous êtes fait, libre à vous. Et après, bah, comme disait Émilie tout à l'heure, c'est une grande question et c'est un équilibre à trouver pour chaque œuvre et pour chaque individu. On est plus ou moins visuel. Moi, j'ai constaté en discutant avec d'autres gens à quel point je ne visualise pas du tout les descriptions, mais pas du tout. Je les lis comme je dirais une scène d'action. Et alors, du coup, parfois, je suis un peu perdue sur mais où est le balcon. voilà. Mais donc, quand on lit, on est plus ou moins visuel. Donc, certains se font sans doute une image qu'ils n'ont pas envie de perturber. Moi, je me fais pas particulièrement d'image. Donc ça dépend de chacun. Mais pour les gens qui sont d'un âge qui ont connu, par exemple, chez les jeunes, maintenant, les gens qui peuvent voir Seigneur des Anneaux, ils ont déjà ce référentiel visuel. Moi, quand je l'ai vu, je n'avais pas de référentiel visuel. À part le film de Bashkin, mais bon, c'était bien vieux. Mais je veux dire, maintenant, c'est difficile de passer à côté à faire référence visuelle du Seigneur des Anneaux quand on est en âge de le lire et qu'on n'a pas connu cette période où il n'y avait pas de représentation. Si je peux permettre, moi, mon problème, c'est pas... Je comprends bien votre question. Je pense que le plus important, c'est pas tant est-ce que l'imaginaire proposé heurte celui qu'on s'était créé avant, c'est l'adaptation d'une œuvre en série ou en cinéma ou en BD par rapport à un livre. Est-ce qu'elle lui est fidèle? Est-ce que c'est un pur décalque? Et quand c'est un pur décalque, ça peut être un pur désastre parce que ça n'apporte rien de plus. Est-ce que ça a été, en général, c'est allégé, mais est-ce que ça a été des coupes sombres? Est-ce qu'il y a eu un aménagement? C'est plus tout ça qui m'intéresse. Mais la structure narrative, est-ce qu'elle a été chamboulée? Est-ce qu'on a une nouvelle structure narrative tout en gardant la même histoire? Voilà, ça c'est intéressant. Est-ce que l'image a ses propres codes que n'a pas le narratif, que n'a pas le roman, et vice versa? Et moi, c'est ça que j'attends quand je vais au cinéma. Qu'est-ce qui a été changé? Est-ce que ça garde sa propre... Enfin, est-ce que c'est une nouvelle œuvre ou est-ce que c'est une pure adaptation? Quand c'est une pure adaptation, je vois pas trop l'intérêt. Quand c'est une nouvelle œuvre avec sa propre patte, son propre esprit, c'est intéressant. Après, le fait de visualiser quelqu'un, de voir les traits de Orlando Bloom, uniquement pour Legolas, ça me perturbe pas à autre mesure. J'avais déjà ma propre image de Legolas, peu importe. C'est les voix aussi. Parfois, parler d'image, certains sont très auditifs. Moi, je suis très sonore, j'entends les voix. Vous l'avez lu avant? Oui, mais... Le problème maintenant de tous ceux qui arrivent en lisant après, ils ont plus cette image. Est-ce que c'est, en fait, ça ne réduit pas leur imaginaire de base, enfin, de fait? Si, ça leur donnait envie après d'aller lire le livre, parce que beaucoup, en fait, sont des ados qui n'ont vu que les films. Moi, j'ai mes élèves, connaissent le Hobbit par les films. Je dis très bien. Et en cours, on est en train de travailler sur le Hobbit, et ils se rendent compte qu'il se passe beaucoup plus de trucs, et c'est génial. Donc, ils ont envie de lire le livre. Ça me va. Et vous dites ça par rapport à un film, mais ne serait-ce qu'une illustration de couverture peut avoir exactement le même effet. Moi, j'ai le souvenir très net que quand j'avais lu pour la première fois Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il y avait un dessin du professeur Lupin à l'arrière de la couverture qui me faisait penser à un de mes profs de fac de l'époque. Et tout le temps que j'ai lu le bouquin, j'imaginais Lupin avec la tête de mon prof de fac, et quand Lupin a commencé à apparaître dans les films, ça ne changeait rien à ma lecture. Lupin, il avait la tête de mon prof de phonétique. Donc voilà, je pense que oui, on va être influencé par l'image telle qu'elle nous est donnée. C'est lent, ça vient tout doucement. La fantaisie s'en fait maintenant en cinquième. On n'en fait pas que ça, on ne fait pas toujours de fantaisie. Hein. Non. Voilà, oui, c'est vrai. Mais après, les librairies doivent vendre. Donc parfois, on aura un rayon complet d'Harry Potter et puis on aura un malheureux aux auteurs français tout en bas parce que il y a une logique de marché qui est là, quoi. C'est tout. Après, il y a aussi la dimension promotion, je pense, parce que tous les éditeurs, notamment les plus petites structures, n'ont pas soit les moyens, soit le temps, soit les deux,
de s'occuper de, bah, de défendre même des romans qu'ils aiment beaucoup, mais bah, voilà, il faut déjà penser au suivant. Donc parfois, c'est un peu, il y a un peu un côté fuite en avant. Et c'est vrai que c'est souvent à l'auteur de... Alors, je pense que tout le monde doit participer, donc c'est pas gênant. Mais c'est vrai que c'est souvent l'auteur qui se retrouve à essayer de gérer lui-même sa propre promotion. Moi, je sais que dans mon cas, j'ai eu la chance, oui, la chance, on peut dire, d'avoir droit à un encart dans les pages bouquins de Télérama. Mais c'est moi qui avais fait la démarche de contacter leur journaliste spécialisé. Et après, bon, comme il m'a très gentiment répondu, merci, on verra si ça me plaît ou pas. Bon, j'ai eu la chance que ça lui plaise. Mais je veux dire, voilà, c'est toujours un pari. Et là, c'est pas l'éditeur qui allait, qui s'en est occupé. Tout simplement, ils étaient débordés. Donc c'est aussi, on se retrouve parfois effectivement avec les auteurs qui gèrent eux-mêmes leur, en tout cas une bonne partie de leur promotion. Et c'est vrai que quand on, voilà, moi j'ai rien contre la FNAC, mais quand l'autre jour je passe à la FNAC, hein, de Lille, pour ne rien cacher. Et donc il y avait un énorme panneau Lovecraft, un auteur à découvrir. Bien sûr qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas du tout Lovecraft ou qui connaissent vaguement Cthulhu, voilà. Évidemment. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit l'auteur qui ait le plus besoin de visibilité. Donc voilà. C'est, je veux dire, parfois ça devient cocasse, mais c'est drôle, mais à moitié, quoi, parce que. C'est vrai qu'après, c'est les auteurs qui se battent pour avoir droit à un prochain titre, parce que sinon, sinon ça s'arrête là. Et pour finir là-dessus, je pense aussi qu'il y a une différence entre la vision qu'on a de la littérature populaire, notamment, moi, je pense avec l'Angleterre, où je vais relativement souvent. Vous allez à Londres, vous allez à Baker Street, il y a une statue de Sherlock Holmes, le 221B, ils ont mis un musée. Vous allez à la gare de King's Cross, ils ont installé quelque chose entre les voies 9 et 10 pour simuler la voie 9 3 quarts. Et ils rendent hommage à leur littérature de genre, à leur littérature populaire, qui est quelque chose qu'ici, enfin, un auteur écrirait un roman qui se vendrait à des milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires qui se passeraient vraiment sur l'île avec des références lilloises très poussées, je conçois que la ville de Lille s'embêterait à aller mettre une plaque ou quelque chose dans les endroits qui sont visités dans le roman. Bah, il se trouve qu'on n'en a pas, en fait, à part Jules Verne, et Jules Verne est super reconnu à la fois à Amiens et à Nantes, qui sont les deux villes où il a vécu et qui mène plutôt une espèce de guerre patrimoniale pour qui aura Jules Verne. Donc si la valeur touristique de l'imaginaire existe, mais bon, et c'est un autre problème dans lequel nous n'entrerons pas parce qu'il est tard, mais il y a peu de tradition française de l'imaginaire. On n'a pas d'auteur du calibre, en tout cas, qui soit resté dans les mémoires de ce que l'Angleterre et les États-Unis et l'Irlande ont pu proposer entre la fin 19e et le 20e siècle. Et donc, ça fait partie des choses qui nous empêchent, qui empêchent les auteurs français, les auteurs francophones de capitaliser sur quelque chose qui serait déjà connu du grand public et qui leur faciliterait, qui leur ouvrirait plus grand une porte d'accès à la mémoire des lecteurs. Merci. Donc, je pense qu'on va clôturer là. C'est bon ? Ok. Donc, merci à tous et à toutes d'être venus. Merci aux auteurs, aux chercheurs, aux éditeurs, aux profs, tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez retrouver les auteurs là, sur les petites tables à côté, si vous voulez poser des questions, faire dédicacer des livres, etc. Et sinon, vous avez un stand librairie juste en face, s'il y a des ouvrages que vous souhaitez acquérir. Et sinon, je vous rappelle qu'au premier étage se trouve un des rayons de l'imaginaire les mieux entretenus de la région. Donc profitez-en, parce que c'est pas dans toutes les médiathèques qu'on trouve ça. Voilà, donc bonne fin d'après-midi à tous.